les amis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, je vais faire mon temps d'étude. Vous avez prié pour moi. Alors que je vous ai déjà dit, quand je suis comme ça, dans les ténèbres, laissez-moi m'en aller. La prière des justes est d'une grande efficacité. Je vous remercie quand même d'avoir prié pour moi. Amen. Et je remercie le Seigneur dans sa grande bonté de ne pas m'avoir retiré son amour. Amen. Merci Slimane, merci beaucoup. Alors mes frères et sœurs en Christ, je vais vous faire témoignage. Amen. Mais avant ça, je reconnais et je le déclare devant vous mes frères, devant l'Assemblée des Saints et devant le Très-Haut, l'Éternel des Armées, Jésus-Christ notre Roi. Je reconnais ce que je lui ai confié en silence, dans le secret, avant de manger à son corps et à son sang. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai méprisé le Seigneur mon Dieu, que j'ai méprisé Belzébuth, le diable, mais ça n'a pas trop d'importance, mais je le reconnais. Je reconnais que j'ai brûlé des démons cette nuit, que j'ai été étranglé popo, et que j'ai ramené l'enfant mort ici dans ma maison. Je reconnais que j'ai renié l'Éternel mon Dieu devant les hommes, mes frères, volontairement, afin d'être renié devant les anges. C'était pour rejeter le salut de l'Éternel. J'ai voulu délier mon Seigneur de l'engagement sacré du mariage qu'il avait fait avec moi. J'ai repris aussi durement un frère qui m'a lié au ciel. Je me suis déliée. J'ai craché sur l'autel de Dieu. J'ai mis le morceau de pain à tremper dans la coupe du sang de l'agneau au lieu de me laver. Je me suis refusée au maître. Je l'ai injurié avec sa mère. Voilà, j'ai commis tout ça en une nuit. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Alors, il m'a dit de mettre cette musique-là. C'est la musique que vous venez d'entendre, alors attendez. Parce que derrière, c'est Michael. Ça, c'est ce que j'ai reçu hier et que je dois vous partager aujourd'hui. Cette musique-là, alors vous ne voyez peut-être pas, parce que le téléphone s'est tourné. C'est Jésus dans le jardin, dans le monde des Olivia Gethsemane, avant son arrestation. Voilà. Je vais remettre Michael. Je vais même mettre déjà l'Éternel. Enfin, c'est des images, hein, les amis. C'est pas le vrai Dieu, hein, vous le savez. Hein. C'est lui-même qui nous les donne. Voilà. Quand on les utilise, on fait rien de nous-mêmes. Alors, je vais vous faire témoignage. Donc, si vous avez suivi un petit peu mes derniers lives, vous savez. Vous savez un petit peu ce qui s'est passé et voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi mes lives, je suis la déesse mère, je suis la terre, la mère de tous. Amen. Et mes enfants charnels de péché ont été livrés dans la main du diable. C'est comme si on m'avait enlevé un enfant mort de mes entrailles. Et la douleur m'a fait. La douleur m'a rendue complètement folle. Donc je suis sortie j'ai été rechercher cet enfant. Donc je suis sortie dehors cette nuit, les amis. J'ai fait une sortie de corps. J'ai été faire un concert. Ouais, j'en ai eu l'idée, comme ça. J'avais méprisé l'Éternel, j'avais méprisé le popo. Et j'ai dit, là, je vais sortir et je vais aller leur chanter des chansons à tous les deux au ciel. Et puis tu sais, quand je chante des chansons. C'est pas très bon, c'est pas très bon quand je fais des karaokés. Alors j'ai chanté, j'ai commencé par le popo. J'ai chanté « Il aime baver, ils sont mauvais, mouche bébé but à la diarrhée ». Voilà, j'ai fait un concert. Je lui ai chanté aussi « Pauvre diable, que tu sommes parmi les hommes vulnérables, misérables ». Voilà, j'ai rechanté les chansons habituelles. J'en ai chanté une à l'Éternel.
J'en ai chanté une à l'éternel qui menaçait de divorcer. J'y ai chanté la chanson de... Comment il s'appelle déjà ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Je les ai méprisés tous les deux là-bas, devant tout le monde. Alors j'avais des spectateurs, hein, autant démoniaques que angéliques, que l'Assemblée des Saints, voilà. Et le Belzébuth, il m'a énervé. Parce que le Belzébuth, il n'a pas à manger l'enfant. Mais l'après-midi, déjà, il m'a saoulé toute l'après-midi. Déjà, le matin, il était content d'avoir l'enfant. Il criait de joie, il était heureux. C'était la fête au village pour les démons. Et le Belzébuth, là, il a pris l'enfant, il ne l'avait pas mangé. Il m'avait fait croire qu'il l'avait mangé et il ne l'avait pas mangé. Il a pris l'enfant, il a giflé le cadavre de l'enfant devant mes yeux. Et je n'ai pas supporté. J'ai hurlé, je suis devenue complètement dingue. Je suis tombée sur les démons qui ont essayé de tous me tomber dessus, mais je suis tombée un peu comme un volcan enragé et j'en ai brûlé certains et j'ai tranglé le Belzébuth popo d'une main et j'ai saisi l'enfant de l'autre. Je ne voulais pas lâcher l'enfant parce que si j'avais eu mes deux mains, je crois que je l'aurais tué. Ah, je crois que là, le popo, il passait à la casserole avant l'heure. Je crois que je l'aurais tué, les amis. Il souffrait. Hein. Il souffrait. J'y ai coupé tout le ventre. J'y ai coupé tout le ventre. Je l'ai étranglé. Amen. Et là, au même moment, avant que je me transforme en volcan enragé, j'ai mes fils, Nemo et Atreyu, qui sont allés vers leur père comme des lumières, qui sont sortis de moi, encore une fois. Et qui ont été vers leur père, vers le bord du ciel, puis qui regardaient la scène, quoi. Voilà. J'ai étranglé le popo et j'ai brûlé plusieurs démons. Il n'avait pas dévoré l'enfant. Mais il lui avait mis des gros gifles devant moi, chose qui m'a fait exploser de rage, j'ai pas supporté. J'ai attaqué les démons et personne n'a pu me retenir, sauf l'Éternel, il aurait pu me retenir mais il ne l'a pas fait. J'ai repris l'enfant mort et au moment où j'ai étranglé le popo, j'ai dit si j'avais mes deux mains ça serait bien, mais j'avais l'enfant de l'autre côté. Et j'ai pas voulu lâcher cet enfant, j'ai voulu le garder. Ensuite, comme j'ai refusé de jeter l'enfant, j'ai fini par lâcher le popo, mais j'y ai coupé tout le ventre. J'y ai griffé tout le ventre, j'ai lardassé tout le ventre. Si j'avais eu mes deux mains, il serait mort. Le Seigneur m'a regardé là-bas, il était spectateur de ça, mais était déçu. Je pouvais voir la déception sur sa figure. Nemo et Atreyu sont sortis de moi, donc avant que j'explose de rage. Ils me regardaient aussi sur le bord du ciel auprès de leur père. J'ai pris l'enfant mort contre moi et je suis partie sur l'étoile de la dernière fois, l'étoile qui est au fin fond du ciel. Moi, mais je crois que je l'aime bien cette étoile, je crois que c'est toujours là-bas que je vais pleurer, que je vais bouder, que je me retire, que je me mets à l'écart. Il n'y avait pas de halo arc-en-ciel cette fois, il n'y en avait pas. Mais c'est pas grave, j'étais sur cette étoile et je tenais l'enfant mort contre moi. Et personne n'est venu me déranger, il n'y a rien eu, je suis restée là-bas autant que je le voulais, autant que j'en avais besoin. Voilà. Après j'ai posé l'enfant mort à côté de moi, je me suis mis à réfléchir une fois que j'avais retrouvé mon calme. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-bas, mais une bonne partie de la nuit. Je me suis mis à réfléchir où enterrer son petit corps, où enterrer son corps, parce qu'il est mort, qu'est-ce que je vais en faire. L'étoile est trop dure, je ne peux pas l'enterrer sur une étoile, sur cette étoile. J'aurais voulu lui donner du repos, mais je me suis dit, c'est pas la peine, l'étoile est trop dure, je ne peux pas le cacher dans l'étoile, je ne peux pas creuser l'étoile, le mettre dedans, c'est pas la peine. Et de toute façon, même si je laisse son corps là sur cette étoile, le popo, il est dans l'univers, il viendra le chercher. Alors après j'ai pris l'enfant, je suis descendue sur terre, j'ai fait plusieurs endroits sur terre, j'ai cherché aussi une bonne partie de la nuit où cacher le corps de cet enfant ou le mettre pour qu'il ait du repos, qu'il ne soit pas mangé par les démons et tout ça. C'est pareil, l'esprit du Seigneur qui est en moi, il est sage, même sur terre je ne peux pas cacher, dérober l'enfant à Belzébuth. Cet enfant appartient à Belzébuth, je ne pourrais pas l'empêcher de le dévorer. Voilà, je ne pourrais pas le dérober pour l'empêcher de le dévorer. Voilà, c'est ce que je veux dire, mais je m'embrouille entre les deux mots. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce genre de poupée-là. Ça ressemble à des bébés morts. J'avais vraiment l'impression d'avoir ça dans mes mains, une poupée morte.
Et je suis allée vers l'Éternel, vers son royaume. Je me suis arrêtée avec l'enfant dans mes bras pour dire à mes fils Nemo et Atreyu que je les aimais. Ils étaient quand même toujours là-bas. Et là, j'ai voulu libérer l'Éternel du lien qu'il a avec moi, le lien du mariage qu'il a contracté avec moi. J'ai dit devant l'Éternel, tu m'as fait tienne, mais moi devant l'Éternel, ben, je te délie de notre union. Voilà, sois libre et donne une mère à mes fils, donne une bonne maman à mes fils. Par contre, à ta future épouse, je lui souhaite autant de mal que j'en ai eu à tes côtés. Je peux pas lui souhaiter du bien. Et mes enfants, Nemo et Atreyu, ils sont mis à crier. Ils ont dit, nous ne voulons d'autre maman que toi. Et ils sont rentrés dans mon sein comme des lumières. Amen. Donc je suis rentrée à la maison avec mes trois enfants. Mon enfant mort dans les bras, mes deux enfants en lumière dans mes entrailles. J'ai jeté les oreillers de l'Éternel par terre et j'ai déposé l'enfant mort à la place de l'Éternel. Je savais bien que ça allait le mépriser, que ça allait lui faire de la peine. J'ai touché la joue de l'enfant mort là où le diable avait frappé et je l'ai embrassé. Puis l'Éternel est venu et il me parla. Il me fit comprendre que j'aimais le fils du malin. Que cet enfant mort représentait l'église de vierges folles et sages, représentait les enfants charnels dans le monde, les enfants du malin, l'apostasie, le péché. Que j'étais en train de donner de l'amour à un enfant qui ne m'en donnerait même pas. Parce qu'il est comme son père, le diable, il pêche. J'ai rejeté et méprisé l'Éternel. Je regardais l'enfant mort. Et dans mes entrailles, mes deux fils, pleins de vie, bougeaient et ils me parlaient. Je me suis sentie consolée par mes enfants. Amen. Mon sein était plein de vie. Et cet enfant était mort. Il était bel et bien là. Et lui, il était plein de ténèbres. Il n'y avait plus de vie. Et soudainement, j'ai cru aux paroles de mon Dieu. Amen. De l'Éternel. J'ai cru aux paroles de l'Éternel que si cet enfant n'avait pas de vie en lui, qu'il était ténèbres, c'est parce qu'il était fils du malin. J'avais sous mes yeux les ténèbres et la lumière. J'avais des enfants de lumière tout vivant dans mon sein et des enfants de ténèbres morts. Le salaire du péché, c'est la mort. J'avais cet enfant qui représentait tous les enfants de ténèbres, les enfants du péché. Et j'ai cru à l'Éternel, mon Dieu, que cet enfant, même s'il était plein de vie, il me mépriserait. Il n'aurait pas d'amour pour moi. Il a pour père le diable. Mes fils, pleins de vie, pleins de lumière, m'ont consolé, me parlaient. Amen. Je leur ai répété que je les aimais. Puis après, je leur ai souhaité bonne nuit. Et j'ai regardé cet enfant mort à mes côtés un petit moment et je l'ai pris et je suis sortie dehors. Je suis sortie de nouveau de mon corps avec lui. J'ai crié au popo, voici ton fils mort, je te le rends. J'en ai plus rien à faire. Et je jetais l'enfant en sa direction. De toute façon, qu'aurais-je pu faire les amis d'autre? Le garder dans ma maison. Le garder dans ma maison, c'était pas le dérober non plus aux démons qui sont déjà venus le chercher jusque dans ma maison. Ils seraient venus le reprendre. Je ne pouvais pas redonner la vie à cet enfant qui s'est détourné lui-même de la vie. Il a choisi pour père le diable. L'Évangile leur accordait de revenir à la vie, mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas saisi cette grâce. Que pouvais-je faire de plus? Et je suis partie donc du coup vers le Père. Voilà. Et je déclara de nouveau devant l'Éternel Dieu que j'annulais et je déchargeais le Seigneur de son engagement envers moi. Là, un homme de l'Assemblée des Saints me lia en me disant « Tu en as trop fait devant nous, sois lié ». Je me suis retrouvée liée avec des chaînes d'un seul coup, de partout.
Mais par une seule parole déjà, j'ôtais les chaînes, je me déliais. Parce que je me suis dit, ce fou, c'est ce que je me suis pensé. Hein. Ce fou n'a pas pensé à me lier et à me délier, afin que personne au ciel et sur terre ne puisse me délier. Et c'est exactement ça. Il y en a qui se pensent sages, mais qui ne le sont pas. Je me suis délié en une fraction de seconde, et je l'ai méprisé, je l'ai humilié. Il est reparti honteux et confus. Je lui ai dit, je lui ai fait comprendre déjà en me déliant qu'il ne m'avait pas lié correctement. Et donc il a eu honte pour ça aussi, parce qu'il m'a lié devant tous, et j'ai eu le pouvoir de me délier devant tous. Donc il s'est retrouvé confus. Et je lui ai dit, même si tu es dans le spirituel, c'est pas à toi de me juger. Reste à ta place. T'es un serviteur vil, comme nous autres. T'es un serviteur inutile, reste à ta place. Tu n'as pas à me lier. Et tu n'as pas à me juger. C'est à l'Éternel de me juger. Honteux, il se retira. Et après, je suis repartie. L'Éternel est venu, il a voulu me connaître, mais j'ai pas voulu, je me suis refusée à lui. Voilà. Mais j'avais péché bien avant de faire des sorties de corps dans la chambre. J'avais craché sur son autel que j'avais fait dans la chambre. J'ai craché sur son autel. J'avais fait un autel là où je me prosternais avec le nom de l'Éternel comme ça. J'avais pris la coupe avec le morceau de pain parce que mes enfants s'étaient lavés dans le corps et sang de l'agneau, mais ils m'avaient gardé une part. Et j'ai pris le morceau de pain, je l'ai mis dans le sang de Christ. Et vous savez que celui qui a reçu le morceau trempé, c'est Judas. Et le diable est entré en Judas dès qu'il a reçu le morceau trempé. Parce que lui, il a mangé le morceau trempé. Moi, je ne l'ai pas mangé. Je l'ai laissé dans la coupe. Le morceau trempé, que symbolise le morceau trempé, les amis? Alors, le morceau trempé symbolise le corps de Christ qui est livré sur la croix, qui est rempli de sang, c'est l'agneau de Dieu plein de sang, son corps plein de sang avec son sang précieux qui a coulé, mais que tu refuses de manger, tu refuses de te laver, donc que tu laisses en vain. Il est mort en vain. Ça veut dire en gros, je te reconnais comme étant mort en vain. C'est ça que tu dis quand tu trempes le morceau trempé. Et si tu manges le morceau trempé, ça veut dire que tu manges Christ, mais en vain. Et là, c'est un blasphème. Et là, le diable, il peut entrer en toi. Le diable, il m'avait déjà ordonné de le faire, ça, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Amen. Mais j'ai jamais mangé hein, le morceau. Je l'ai toujours jeté après. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait plein de fois, mettre le morceau trempé en disant, Christ, je refuse de me laver dans ton corps, dans ton sang. Je te prends en vain. Aujourd'hui, tu auras souffert sur la croix en vain pour moi. Vous savez que Jésus, il a souffert sur la croix, amen, pour nous, et c'est pour chaque jour de nos vies, amen, chaque jour nous mangeons Christ, parce qu'on pêche tous les jours, donc tous les jours il nous pardonne nos péchés, amen. Donc là, ce soir-là, au lieu d'aller à l'église et tout, j'ai pris le morceau, je l'ai trempé dans le sang et je l'ai déposé là-bas sur l'autel, j'ai craché sur l'autel et j'ai dit, je t'ai renié devant les élus, c'est fini quoi. C'est fini, je te le jure sur la tête de mes enfants. Alors j'ai juré à faux aussi. Tiens, mais ça, faut que je le reconnais aussi. C'est ce que j'ai fait. J'ai juré sur mes enfants. D'habitude, quand je fais jurement, ma parole, je peux pas la reprendre. Hein. C'était pour me donner, je crois, du courage et tenir cette fois. Mais tu peux pas combattre la prière des saints et tu peux pas combattre les desseins de Dieu. Pas une seule brebis ne manquera. Si le Seigneur s'est chargé de nous et qu'il a fait le choix de nous sauver, tu peux pécher tous les péchés que tu veux. Le diable peut comploter tout ce qu'il veut comploter. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. S'il a fait le choix de t'aimer, tu sortiras pas. Amen. Tu sortiras pas. Et j'aurais voulu que les élus ne prient pas pour moi, pour une fois. Parce que j'aurais voulu savoir si c'était l'amour de l'Éternel qui me ramenait ou si c'était la prière des élus. Parce que du coup, là, il y a des deux. Je me dis, il y a des deux. Le Seigneur me répand dans mon esprit, dit c'est mon amour qui t'a ramené. La prière des élus n'est rien. Ce sont des serviteurs inutiles, même si la prière des justes leur a été accordée, même si à mes yeux ils sont devenus des justes et que je leur ai accordé ce qu'ils demandaient, la prière des justes n'est rien. Donc tu as ta réponse.
L'Éternel, ce matin, je prends le tableau là sur lequel j'ai craché. Il me dit, lave-le, garde-le. Je lui ai dit non. Je le déchire, je le mets à la poubelle. Et quand le matin, donc ce matin fut venu, je me leva et mes fils me parlèrent dans mon sein et me disent, bonjour maman. Pourrais-tu te laver dans le corps et le sang de Christ, car tu pues. J'avais l'odeur, voilà, le péché a une odeur de mort, d'iniquité, une odeur désagréable. Et évidemment, j'étais en état de péché, donc j'avais les effets du péché en moi, sur moi. Et je dis à mes fils, votre père pêche lui aussi. Et malgré ça, lui ne pue jamais. Donc si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller vers votre père. J'étais encore un peu énervée ce matin. Moi, quoi que je fasse, en bien ou en mal, je pue le péché. C'est ce que je leur dis. Parce que pour moi, peu importe le mal que j'ai fait, peu importe ce que j'ai exprimé, pour moi, j'ai fait le bien. Pour moi, j'ai fait le bien. J'ai défendu ma progéniture. Même si elle a pour père Dieu, elle a pour père Dieu cette progéniture. Amen, c'est pas la semence du malin. Mais elle est devenue semence du malin, fils du diable, à cause de ses péchés. Alors pour moi, quoi que j'ai fait, combattu Dieu, diable, peu importe qui me faisait quoi que ce soit, ce matin, je n'en exprimais pas le regret. Et je ne voyais pas le mal dans les choses que j'ai fait, parce que pour moi, c'était le bien que je faisais sur le moment pour défendre ma progéniture. L'enfant qu'on m'avait emmené. Amen. C'est la douleur, la peur, la colère. C'est des émotions, c'est pas des péchés. C'est des émotions que nous exprimons et qui nous mettent dans un état second et qui nous font exprimer des choses qu'on regrettera forcément toujours. On a l'impression sur le moment que c'est des bonnes choses qu'on va exprimer. T'es en colère, t'as envie de bastonner quelqu'un, tu te dis c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il m'a mis en colère, je vais y mettre une bonne patate dans sa gueule et puis voilà. Pour toi, sur l'instant présent, c'est une bonne chose. Mais c'est après coup, quand les choses seront quand même faites, que tu vas réfléchir et que tu vas dire oui, la colère ne glorifie pas Dieu. La colère, la peur, l'angoisse, la rage... et la douleur ne glorifie pas Dieu. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni douleur dans le royaume de Dieu. C'est justement parce que tout ça nous met dans un état second et ça nous fait exprimer des choses qu'on finit toujours par regretter. Même si on ne les regrette pas tout de suite dans l'instant présent et qu'on passe à l'acte, on finira par les regretter. Shalom, frère Robert. Or je dis à mes fils, quoi que je fasse, en bien ou en mal, je puis toujours de toute façon. Donc si je vous dérange, vous n'avez qu'à sortir de mon sein et aller vers votre père, qui lui est sans péché après tout. Voilà, parce que lui, quoi qu'il fasse, en bien ou en mal, ils sont toujours bons, il est toujours saint. Voilà, j'avais toujours une petite dent contre le Seigneur. Ensuite, c'est l'Éternel qui me parla et me dit, lave-toi. Lave-toi dans le corps et le sang de l'agneau. J'arrive, nous donnerons des noms nouveau aux élus et nous nous marierons comme prévu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'avis. Amen. Alors, la photo que vous voyez, c'est l'Éternel qui me l'a donnée hier parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et sur cette photo, ils me disent que tu vois, c'est une représentation de Michaël. Alors j'ai traduit ce qui est écrit, c'est écrit, attendez, parce qu'en plus vous ne voyez pas trop bien sur la photo, mais je l'ai sur Facebook. J'ai traduit, c'est écrit Crown of Righteousness. Oh là là, attendez. En plus, il me referme le truc. Crown of Righteousness, je sais pas, enfin,
J'ai traduit Raetheusnes. Raetheusnes, je suis pas bonne en anglais. Oh là là, c'est même pas de l'anglais, on connaît même pas de l'anglais, on a l'impression que je fais de l'allemand là du coup. Ça veut dire couronne de justice. Amen. La couronne de justice, c'est Michael. Amen. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, il m'a emmené sur une musique. C'est hier, hein, avant que je pète un câble, avant qu'il arrive tout ça. C'est avant même que les démons viennent chercher l'enfant, tout ça, que le Seigneur m'avait donné ces choses-là. Mais j'en avais même pas parlé. Alors, si Dieu existe, il nous enverrait un astéroïde. Ah ouais. Bon, Dieu est amour, il ferait pas ça. Amen. Dieu est miséricordieux. Il ferait pas ça. Il détruirait pas ses enfants. Il enverrait des astéroïdes, des pluies d'étoiles, comme il a fait, sur les titans, les enfants des anges déchus de la grâce, avec les femmes terriennes. Sur toute cette race de titans et de dinosaures, il a envoyé des pluies d'étoiles, donc d'astéroïdes. C'est ça, les astéroïdes, c'est une pluie d'étoiles, finalement. L'Éternel l'a déjà fait, mais il le ferait pas là, parce que là, il y a encore les élus, il y a encore l'Église. Amen. La musique de Michael Archange. Seigneur, il me dit, le popo n'avait pas mangé l'enfant parce que c'est le seul lien qu'il avait avec toi, c'est la seule chose qui lui restait, donc il n'allait pas le manger. Je lui dis, tu avais envoyé l'ange quand même, parce que du coup je pensais que le popo l'avait pas mangé parce que du coup tu n'avais pas envoyé l'ange. S'il n'avait pas reçu l'ordre de l'ange, vu que j'étais pas d'accord pour qu'il prenne cet enfant, l'Éternel dit oui, je l'ai envoyé. J'ai envoyé, mais le popo, il n'allait pas manger l'enfant parce que c'est le seul lien qui restait avec toi. C'est la seule chose qui lui restait avec toi. Donc il n'allait pas la détruire. Hein. Mais j'ai pu me rendre compte à quel point le popo est sale. À quel point le popo est immonde. Il giflait cet enfant mort. Et des claques à lui arracher la tête sur les épaules, les amis. Hein. C'est pas des petites claques, hein. Cette vision horrible, je ne l'ai pas supportée. Hein. L'Éternel m'a donné une autre musique. Il m'a donné une autre musique. Alors attendez. Et là, on va prendre les paroles. Parce que du coup, elle parle. Après cette musique-là, mon mari m'a donné une autre musique. Amen. Et cette musique, elle a des paroles. J'ai traduit en français, j'ai cherché la traduction en français. C'est une musique de Michael Jackson. Can you feel it? Can you feel it? Voilà, c'est cette musique-là. Alors, can you feel it? Ça veut dire, peux-tu le sentir? Oui. Je peux sentir la colère de Dieu qui arrive sur le monde maintenant. Les Jackson 5. J5. Cinq d'entre elles étaient folles, cinq d'entre elles étaient sages, les amis. Le 5. Si tu regardes autour de toi, le monde entier se ressemble maintenant, bébé. Le monde entier se ressemble. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il a fait le tri entre les boucs et les brebis, là. Maintenant, il n'y a plus que des brebis. Un troupeau du bon berger, c'est tout. Les enfants de Dieu. Donc, les enfants du malin sont mis en dehors déjà du monde avec leur père, le diable.
les amis. Peux-tu le sentir ? Le sentir dans l'air. Le vent le rapporte partout. Oh oui. Peux-tu le sentir ? C'est ce qu'il répète à chaque fois. Toutes les couleurs du monde peuvent s'aimer les unes les autres de tout leur cœur. Attendez, mais vous allez pas... J'ai pas fait toute la chanson, mais j'ai dit « Waouh !» Oui, c'est bon. Voilà, tout est bon aux yeux de Dieu. Quand il regarde le monde maintenant, il y a la déesse mère et il n'y a que les enfants de Dieu qui restent. Porte ce message à ton frère. Porte ce message à ton frère. Tout est bon. Amen. Et dis-lui deux fois. Donc en vérité, diffuse le message et essaye d'enseigner l'homme. L'homme qui haït son frère. Parce que quand Dieu regarde maintenant, il y a tout un grand troupeau, il n'y a que ses enfants qui restent. Mais parmi ses enfants encore, il y en a qui sont encore répréhensibles, qui n'aiment pas leur frère. Mais cela, Dieu les garde. Il pardonne ses enfants qui ont péché. Il ne pardonne pas les enfants de péché, qui ont pour père le diable. Alors que la haine ne devrait pas exister, amen, la haine ne doit plus exister du milieu de nous, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, amen. Comment Dieu peut m'imputer même mon péché? C'est vrai quand on y pense. Dieu ne peut même pas m'imputer mon péché. Parce que j'ai aimé mon prochain. Même si j'ai fait le mal, c'était pour protéger cet enfant, pour l'aimer, pour le chérir. Dieu ne peut même pas m'accuser. Contre l'amour, il n'y a pas d'accusation. Amen. Bon, il use quand même de miséricorde envers moi, hein, parce que le péché, je l'ai quand même péché, j'ai quand même méprisé Dieu, j'ai quand même fait des choses. Je n'ai pas demeuré complètement dans l'amour, hein, parce que je suis en train de dire, loin de là. Mais ça partait pas d'une mauvaise intention, les amis. Ça partait d'un acte d'amour. Car nous sommes tous pareils. Le sang qui coule dans mes veines coule dans tes veines. C'est le sang du Christ. Maintenant, dis-moi, peux-tu le sentir ? Dis-moi que tu peux le sentir. Pour chaque respiration que tu prends, il y a la mort d'un homme dans un autre lieu. Alors ça m'a fait penser au verset qui dit « je donne des vies de quoi, Seigneur ?» Dans la chanson, en fait, ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'il y a des vieillards qui meurent et qu'il y a des enfants qui naissent. Écoutez ce verset-là. Moi, ça m'a fait penser à ce verset-là. Ésaïe chapitre 43, verset 4. « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Pour toi, les bijoux, c'est un péché? Non. Non. Quand tu ne te décores pas comme un sapin de Noël, loin de là. Moi, des fois, je mets des petites boucles d'oreilles, un collier. Mais il ne faut pas que ce soit trop. Amen. Tout est bon. Le Seigneur, la terre et tout ce qu'elle renferme, il l'a fait pour nous. On peut utiliser les maquillages, les perruques, on peut, mais il ne faut pas avoir une apparence trop, que ce soit trop, il faut avoir une conduite sage. Amen.
On ne doit pas ressembler à des Jézabel. Pour chaque sourire plein de vie, il y a la faim et des luttes pour d'autres enfants. Mais les étoiles continuent de briller. En promesse du salut, les temps sont proches. Mes amis. Amen. Et c'est là que j'ai dit, waouh. Le Seigneur, s'il donne cette musique-là, c'est qu'il arrive, quoi. Mais j'ai même pas eu le temps de vous en parler parce que il y a eu tout ça avec cet enfant, il y a eu tout ça, il y a eu tout ça, et j'ai complètement tout oublié. Mais ce matin, il m'a dit, tu leur donneras la musique que je t'avais donnée pour leur confirmer que l'Éternel Dieu, qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, le fait dire par ta bouche que j'arrive, qu'on va leur donner des noms nouveaux, parce qu'on va se marier et on sera leur père et leur mère. Voilà, la promesse du salut. En promesse du salut, les temps sont proches, les amis. Amen. Alors, peux-tu me dire où il est écrit dans la Bible qu'une femme doit prêcher? Bien sûr, Chani, sans problème. L'Église, membre du corps de Christ, l'Église du corps de Christ, l'Église qui a des oreilles pour entendre quand le Saint-Esprit lui parle dans l'Apocalypse, doit prêcher, censurer, exhorter, corriger. Parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, mais une seule Église épouse, femme de Christ, avec l'enseignement de l'homme, la voix de l'homme. Amen. Donc l'Église n'est pas une femme, elle est le corps de Christ qui donne enseignement, parce qu'on est tous enseignés par lui. Donc les fils et les filles de Dieu, qui ne sont plus des hommes et des femmes, qui sont devenus des anges par la nouvelle naissance du baptême d'eau, amen, peuvent tous propager l'évangile et apporter des révélations. Ils ont le Saint-Esprit pour le faire. Mais je vais quand même te citer un verset, puisque tu veux vraiment un verset. Je vais t'en citer un dans les psaumes et je vais t'en citer un dans l'évangile. Comme ça, tu auras l'assurance que c'est bien biblique. Alors, tu peux déjà prendre le psaume 68 au verset 13. Alors, attendez, psaume 68, verset 13. Si, c'est ça. Verset 11, excuse-moi. Peut-être pas verset 13, verset 11. Alors attends. Psaume 68, verset 11, voilà. Le Seigneur, notre Dieu, dit une parole. Il parle par la parole, le Christ. Et les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée. Les messagères sont bien des femmes. Et elles apportent la bonne nouvelle, donc elles prêchent. Donc la Torah te dit silence, tais-toi. Et maintenant, avec l'évangile, vont te dire, Dieu te dira exactement la même chose par ses paroles, silence, tais-toi. Parce que Dieu dit à travers Paul, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être en bonne intelligence dans le Seigneur, à avoir un même sentiment, à être dans l'amour. Je t'exhorte toi aussi, mon fidèle compagnon. Donc ça, c'est dans une lettre aux Philippiens. Il devait certainement parler à Timothée. Voilà. Je te prie de les aider, elles, au pluriel. C'est des femmes qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc ces femmes-là, elles ont combattu comment? En allant prêcher les lettres de Paul dans les églises. Amen. Ça, tu retrouves ça dans Philippiens chapitre 4, verset 2. Il y a aussi ce verset-là qui dit... Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc tout le monde s'y prophétise, ils prêchent la parole, ils annoncent d'avance ce qui va arriver. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles. Donc est-ce que la femme a le droit de parler?
pour prophétiser, pour annoncer d'avance, prêcher d'avance ce qui va arriver, bien sûr. Seuls les gens charnels qui n'ont pas le Saint-Esprit interdisent à la femme de prêcher. Amen. Et il y a aussi cette sœur. Bon, ils sont nombreux les versets bibliques hein, où les femmes prêchent. Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, prophétesse. Déborah, ma fille, juge d'Israël, prophétesse. Et au temps de Jésus, c'est cette sœur Marie-Madeleine et l'autre Marie qui vont annoncer à l'Église la résurrection du Christ. Si elles n'avaient pas eu le droit de parler, comment elles auraient pu obéir au Seigneur qui les envoie ? Va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Le Seigneur fait bien d'elle des messagères à l'Église, des messagères d'une bonne nouvelle, que Christ est ressuscité selon ce qu'il l'avait dit. Amen. Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconèse. Une diacre. Diaconèse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle m'a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc cette femme était diacre, elle a cessé d'être diacre hein, après, parce que les choses anciennes doivent disparaître. Mais on vous la présente comme étant une diacre, donc une personne qui enseigne. Elle va arrêter d'enseigner comme une diacre les choses religieuses et sectaires. Elle va devenir messagère du Christ, témoin de Jésus, et elle va enseigner l'évangile. Amen. Elle va apporter, prêcher, censurer, corriger et apporter des bouts d'enseignement de l'évangile. Une femme n'a pas le droit de devenir enseignante, mais elle peut, pour reprendre, pour corriger, pour censurer, apporter des bouts d'enseignement. Une femme n'a pas le droit d'être chargée du troupeau des brebis. Amen. Ici, je ne suis même pas en train d'enseigner. Hein. Ici, je vais faire mon temps d'étude, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. À chaque live, je vous dis, je vous retrouve pour faire mon temps d'étude et mon témoignage. Je fais un témoignage et je fais un temps d'étude. Donc, je ne m'engage envers personne pour être son enseignant. Voilà, sa pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophétesse. Je suis la femme de l'Éternel. La servante de Dieu. Et donc depuis ma maison, depuis mon chez-moi, comme je fais mon temps d'étude, ben je mets en pratique ce verset qui dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 35, si une femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge son mari à la maison. Donc moi, quand je fais mon temps d'étude, je demande à mon mari. Je ne demande pas aux élus qui sont là. Je m'instruis, je fais mon temps d'étude. Et c'est mon mari, depuis ma maison, qui m'enseigne. Donc je ne pêche point contre les Écritures. Il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Les élus sont l'Assemblée des Saints, que je peux corriger, censurer, reprendre, exhorter, avec des morceaux d'enseignement. À chacun de mes lives, on n'a pas un enseignement complet, on a toujours des morceaux d'enseignement. Donc il n'y a rien qu'on peut me reprocher. Parce que j'obéis aux Écritures. Ceux qui voient que je n'obéis pas aux Écritures, ben, c'est des menteurs. Ils font faux témoignages. Amen. Je n'enseigne personne. Je fais mes temps d'études à la maison, enseigné par mon mari. Juste mon mari m'a demandé juste de me filmer en fait. Juste de me filmer, de faire des témoignages pour lui. Donc pour faire mes témoignages, je suis bien obligée de parler aux frères et sœurs. Et quand je fais mon temps d'études à la maison, je laisse la caméra tourner. Voilà. Et les frères et sœurs peuvent écouter. Et peuvent faire comme Ruth, glaner s'ils ont entendu quelque chose qui pour eux vient de la vérité, vient du Seigneur. Ils peuvent glaner et récupérer des morceaux de vérité. Voilà. Donc en gros, en même temps que j'étudie la parole, j'exhorte, je censure, je corrige, je reprends. Avec des morceaux de vérité que le Seigneur même m'a donné à la maison. Voilà. Donc, tu n'accuseras personne ici sur ce live. Amen.
À chaque respiration que nous prenons, les amis, il y en a qui meurent. C'est une grâce d'avoir la vie, mais encore bien plus d'avoir la vie éternelle, la vie sous le règne de Dieu et d'être reconnu comme son enfant. Amen. Donc les étoiles continuent de briller. En promesse du salut, les temps sont proches. Voilà ce qu'apporte surtout la musique. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Alors les frères et sœurs me montrent comme ils savent. Comme ils savent maintenant, dis-moi, peux-tu le sentir ? Ouais. C'est bizarre quand même les paroles. Tous les enfants de la terre peuvent s'aimer les uns les autres de tout leur cœur. Amen. Mon Dieu, le Jackson 5, c'est une vieille musique. C'est même Michael Jackson, je ne connais pas trop ses musiques. J'ai déjà écouté, mais après, sans plus, les amis. Jackson 5, c'est une vieille musique. J'ai jamais fait attention aux paroles avant. J'ai jamais pensé à traduire les paroles avant. Et le Seigneur, il m'a dit, tu prends cette musique-là et tu traduis les paroles. Et tu le donnes en message à l'église. Tous les enfants de la terre peuvent s'aimer les uns les autres. Amen. C'est magnifique. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Porte ce message à ton frère. Aimez-vous les uns les autres, c'est le message en gros. Et dis-lui deux fois. En vérité, deux fois. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Deux fois. Apporte ces nouvelles aux hommes qui se lèvent, ils se tiennent debout pour Christ, ils sont juifs, un juif pris debout, ils sont circoncis de cœur, ils ne sont pas juifs selon la chair mais selon l'esprit, amen, selon Dieu. Donc attends, apporte ces nouvelles aux hommes qui se lèvent pour tuer leurs frères. Il y en a qui veulent encore tuer leurs frères comme Caïn, vous les tuez Abel. Faut leur apporter ce message, aime ton frère. Amen. Quand la mort ne devrait pas exister. Amen, la mort ne devrait pas exister, les amis. Ni deuil, ni larmes, ni cris, ni rien dans ce monde, ça ne devrait pas être comme ça. La mort ne devrait pas exister, aucun homme ne devrait tuer son frère, car nous sommes tous pareils, des enfants de Dieu, les amis. Oui, le sang qui coule dans mes veines, coule dans tes veines. Peux-tu le sentir? Peux-tu le sentir dans tes os? Voilà, c'est tout. C'est les paroles de la chanson de Jackson 5 que le Seigneur m'avait donné à transmettre à l'église. Amen. La nouvelle naissance, c'est pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance, c'est celui qui bat de feu. Alors, j'ai jamais dit que la nouvelle naissance, c'était le baptême d'eau. Mais au baptême d'eau, tu meurs à toi-même, à ton ancienne nature. Évidemment, le Seigneur va pas te laisser mort. Donc, il te fait entrer déjà dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est donné que par Jésus-Christ. Lorsque les élus vont être appelés dehors par leur nom, qu'on va les appeler par leur nom. Amen. Et ils vont entrer dans la présence du Seigneur, donc ils auront le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour la chair. Elle est pour les âmes qui croient au Seigneur. Alors, vous savez qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des sophismes. Alors, je vais regarder ce que c'est qu'un sophisme, parce que franchement, je ne sais pas ce que tu essayes de me dire par là. Et je te le dis entre nous, je sais déjà même pas ce que c'est, donc tu peux déjà même pas m'en accuser, je m'en fous. Un sophisme, alors qu'est-ce que c'est? Un argument, un raisonnement faux malgré une apparence de vérité.
Ah, d'accord, ok. Et ben, on s'en fout de ton avis. Amen. Il y en a qui seront peut-être d'accord avec toi, mais pas tout le monde. Nous, la vérité, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, au moins, il n'est pas un sophisme. Il est la vérité, il n'a pas que l'apparence de la vérité, il est la vérité. Amen. Donc nous, on se confie en lui, donc on s'en fout de ton avis, parce que nous, on ne fait rien par nous-mêmes, on le fait avec Christ. Alors les religions, pour maintenir le bétail à une certaine époque, Dieu n'existe pas, les politiques, voilà, c'est pour ça que tu parles comme ça. On n'est pas religieux et sectaire ici. Hein. Donc tu nous mets sur nous une image là, tu nous affiches là, mais c'est pas du tout les vraies choses. Tu fais un faux témoignage, tu ne connais pas. C'est parce que la foi qui vit dans notre cœur, si c'est une foi mondaine, religieuse et sectaire, ou si c'est la foi du Saint-Esprit. La femme dans l'église doit se taire, écouter en silence, ce verset-là il existe aussi. Exactement, la femme dans l'église doit se taire, quand elle n'a rien à dire, elle doit se taire, l'homme aussi. Mais il y a un verset qui dit, et qui existe aussi, il y a un verset qui dit, il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, verset biblique. Tu le connais? Selon Open Edition Journals 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Tous on n'est que le corps Église. Et si l'Église, elle n'a pas le droit de parler, de faire son travail, ce que le Seigneur lui fait faire, celui d'entre vous qui ne veut pas prêcher la parole, qu'il ne mange pas non plus, dit le Seigneur. Celui d'entre vous qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu as l'esprit de l'antéchrist parce que tu cherches à arrêter les autres. Les gens doivent, on doit les exhorter, les censurer, les corriger, les pousser à servir le Seigneur et pas les arrêter. Tu me fais penser à cette sœur qui m'avait dit en gros gentiment, ferme ta gueule, tu chantes mal, alors que Dieu dit, chante les louanges de tout ton cœur pour le Seigneur, chante les louanges, ce que tu fais c'est pour le Seigneur, c'est pas pour des hommes, voilà. Vous arrêtez votre prochain. Vous ne les poussez pas, vous faites de l'ivraie, vous ne faites pas du blé. Le blé, c'est des gens qui travaillent pour le Seigneur, qui vont aller prêcher la parole, qui vont aller exhorter, censurer, corriger, afin que toute l'Église soit prête et bien affermie. Vous, quand vous arrêtez les gens de travailler, bah vous empêchez que l'Église soit toute affermie et prête pour partir. Et l'Église n'est jamais prête. Et on sait que l'Église ne sera jamais prête, parce qu'il y a très peu d'ouvriers dans la vigne du Seigneur, amen, et le Seigneur, c'est à lui de changer l'Église en un clin d'œil en un instant pour qu'elle soit sainte, irrépréhensible, zélée, irréprochable, etc. L'Église, si elle est prête vraiment à la dernière minute parce que le Seigneur la prépare, ça veut dire que parce que bah, y a des mauvais ouvriers qui n'ont pas travaillé. Ils travaillaient à arrêter les bons ouvriers, à combattre les bons ouvriers, en leur disant « ferme ta gueule, fais pas ça, reste à ta place, ne fais pas ça, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça ». Parce qu'ils sont charnels et pensent que il faut reconstituer une hiérarchie et faire une religion. Alors qu'il n'y a pas de hiérarchie. On est tous membres du corps de Christ, on est tous un seul corps, on est l'Église. On doit servir tous cette Église parce que c'est le corps du Seigneur. Ce que vous faites au plus petit des membres du corps de Christ, c'est à Christ que vous le faites. Il y a une seule hiérarchie, c'est la tête, le chef de l'Église, c'est Christ. C'est le seul pasteur, le seul qui enseigne, le seul qui peut dire quoi que ce soit sur quiconque. Amen. Vous permettez de juger selon la chair parce que vous êtes charnel. Si vous viviez selon l'esprit, vous foutriez la paix aux frères et sœurs, même aux frères et sœurs en état de péché. Parce que vous auriez compris que même si vous êtes l'homme spirituel, vous n'avez pas à juger. Cette place-là revient au Seigneur. Cette place-là revient au Seigneur. C'est le Seigneur qui doit juger, c'est le Seigneur qui doit retrancher, c'est le Seigneur qui fait tout. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. On ne peut pas fermer la gueule des lions. On ne peut pas chasser les mauvais ouvriers de l'Église. Et là, c'est ce qu'a fait le Seigneur. Il a chassé les mauvais ouvriers de mon sein, de l'Église, de la femme, parce que lui seul pouvait le faire. Lui seul pouvait faire ces choses-là. Sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Vous prétendez être des nôtres, mais vous n'êtes pas des nôtres. Mais dans le spirituel, vous êtes déjà séparés de nous. Parce que le Seigneur, il a déjà séparé les brebis des boucs. Amen.
Et vous verrez quand le Seigneur arrive, parce que quand le Seigneur arrivera là, amen, il arrive, hein, amen, ben il vous mettra dehors, il vous laissera dehors ici, dans les ténèbres du dehors. Vous allez pleurer, vous allez grincer les dents, vous allez dire Seigneur, Seigneur pourquoi? Parce que moi dans l'église, je prêchais en ton nom. Je faisais en sorte que les sœurs restent des sœurs, qu'elles ferment, qu'elles restent dans le silence. Je faisais en sorte que les frères soient des frères, que chacun soit à sa place. Je prêchais ton évangile, je prêchais ma religion, ma secte. Et le Seigneur va dire, retire-toi de moi, maudit, je ne te connais pas. Le Seigneur n'est pas une secte, une religion. Le Seigneur n'est plus dans la chair. Le Seigneur, il est l'esprit. Il s'est montré visiblement comme s'il était dans la chair, mais il n'était même pas dans la chair. L'esprit du Père s'est fait fils, s'est fait chair. Mais l'Esprit du Père reste Dieu. Et le Consolateur vit en nous. Nous, nous le verrons, le monde ne le verra plus. Amen. Quand vous allez le voir, ce sera vraiment pour être retranché, maudit, quoi. Amen. Si vous avez connu Jésus selon la chair, vous ne le connaissez plus comme ça, et nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc quand je discute avec un frère ou une sœur en Christ, je ne vais pas lui demander, je vais pas lui demander des choses sur sa vie charnelle, je m'en fous. Ça peut m'arriver parce que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Mais je m'en fous. Je m'en fous qu'il soit un homme ou une femme. Je sais qu'il est la main ou le pied, le corps de Christ. Un membre. Je vais lui demander ce qu'il a fait aujourd'hui au service du Seigneur. Est-ce qu'il a fait s'éveiller? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a besoin de prière? Est-ce qu'il a besoin d'être exhorté? Est-ce qu'il a des choses à me dire, des témoignages à me faire? C'est ça les échanges qu'on doit avoir. On ne doit plus, selon l'homme... L'homme charnel, on est mort en Christ dans l'eau du baptême. On est dépouillé de notre ancienne vie. Amen. Allez les amis, donc on va faire le temps d'étude. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Me revoilà. J'avais dit non. Me revoilà. Et là aujourd'hui, 27 août, poum, sous mes yeux, un grand aigle. Alors attendez, est-ce que en faisant comme ça, non, ça ne va pas, il faut que j'enlève... Encore le Michael Archange. Un grand aigle. Alors l'aigle symbolise le Père et le Fils revient dans la gloire du Père. Je donnerai les ailes du grand aigle à la femme. Amen. Si je fais des sorties dehors, bah, c'est parce que je les ai, ces grandes ailes d'aigle. Amen. Donc... Les quatre êtres vivants, les quatre esprits de Dieu, il y en a un qui a une face d'aigle, l'autre qui a une face de veau, l'autre qui a une face de lion et l'autre qui a une face d'homme. On va étudier Ésaïe 40, donc il arrive, hein, il l'a dit, amen. Alors, il y a, t'as raison de m'y faire penser, Éternel, amen. Il y a un verset par rapport à l'Éternel, au Père et au Fils. Le Fils a toujours fait ce qu'il a vu au Père, mais dans l'humilité. Donc il y a un verset au sujet de l'aigle. Écoutez ça, Deutéronome, chapitre 32, versets 11 à 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, donc le Seigneur nous réveille avec l'évangile. Il éveille sa couvée, ça veut dire aussi qu'il la couve, il la protège. Voltige sur ses petits, donc le Seigneur arrive du ciel. Il déploie ses ailes, les prend. Amen. Les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger, aucun Baal. L'Éternel, notre Dieu, s'est fait chair, il est venu dans l'humilité, mais il reste l'Éternel, notre Dieu. Il est le Fils, du coup, il n'est plus le Père, il ne se fait plus appeler Père, mais il se fait appeler Fils puisqu'il est dans l'humilité. Et l'Éternel, notre Dieu, le Fils va faire, nous faire connaître le Père, mais avec, il va refaire exactement ce qu'a fait le Père, mais dans l'humilité. Écoutez ce que Jésus dit. Dans l'humilité, donc l'Éternel, notre Dieu. Hein. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu.
Ça, c'est en Matthieu chapitre 23, verset 37. Donc, l'aigle, c'est ce qui représente l'Éternel, la gloire de l'Éternel dans ses paroles, parce que l'Éternel est glorieux. Le Fils est glorieux, mais le Fils est dans l'humilité, donc il utilise la poule. Il y a une grande différence entre un aigle et une poule. Amen. Et tu vois, j'avais pas pensé, mais le Seigneur, il me dit de les reprendre. Voilà. Donc l'Éternel, notre Dieu, il ne va pas tuer ses enfants. Il les aime. Il veut les protéger. Il veut les enlever même de ce monde. Amen. On va étudier Ésaïe 40. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous marchons dans le chemin de la foi. Nous courons dans le chemin de la foi. Et nous prendrons notre envol comme les aigles. Parce que l'Éternel, notre Dieu, t'as toujours envoyé son ange à l'église, va envoyer les anges venir chercher ses enfants. Amen. Les rassembler des quatre coins de la terre, de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Il n'y a que les apostats et les méchants qui vont rester sur terre et les mauvais ouvriers. Amen. Qui se sont mis à battre leurs compagnons. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Psaume 33. Alors comme ça commence par un psaume, je vais déjà prendre le psaume, puis après on reviendra sur Ésaïe 40. Voilà. J'ai mal à la tête, j'ai tellement pleuré les amis. J'ai tellement pleuré, puis j'ai pleuré encore ce matin, hein, j'ai mal à la tête. Ça fait toujours ça quand tu pleures, c'est fou hein. Quand tu pleures beaucoup, c'est ce que ça fait, quoi. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, à Michaël, archange, à Melchizedek, à Jésus-Christ, notre roi, pour ce temps que nous allons passer ensemble à l'étude de sa parole de vérité. Me revoilà, me revoici, j'y crois même pas moi-même. C'est pas Dieu possible. Si. Si, tout est possible à Dieu. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse. La louange sied aux hommes droits. Louons l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. C'est ainsi qu'on invoque Dieu. Et c'est ainsi qu'on loue Dieu. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth. À 10 cordes. C'est comme ça que David célébrait l'Éternel. Sur la harpe. Chantez-lui un cantique nouveau. Alors le cantique nouveau, vous le retrouvez dans Apocalypse, chapitre 5. Et il me semble bien que c'est le verset 12. Attendez, je vous confirme ça. Il me semble bien que c'est le verset 12. Le cantique nouveau, Apocalypse chapitre 5, du verset 9, alors je ne sais pas pourquoi je dis toujours 12, hein. Du verset 9 à 14, c'est surtout le verset 9, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sept sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton corps et ton sang glorieux, des hommes de toute tribu, de toute langue, tout peuple et toute nation. » Tu as fait d'eux et de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient une voix forte à l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, donc les sept sceaux. Comme toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et toutes celles qui s'y trouvent, les élus et moi-même, nous disons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, parce qu'on unit leur voix à la leur, hein, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Comme les quatre êtres vivants, nous disons Amen. Et comme les vieillards, nous nous prosternons pour adorer Dieu le Père, le Fils, donc l'unité du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai pas regardé vos commentaires.
Sérieusement, est-ce que Dieu t'a demandé de prêcher? Tu sais bien que non. Arrête pendant qu'il est... Mais je t'ai dit que je n'étais pas en train de prêcher, je t'ai dit que j'étais en train d'étudier la parole. Donc arrête d'utiliser ma liberté là, et puis voilà. Dieu, il a dit que celui qui est souillé se souille encore, donc même si j'étais en train de pécher, t'as pas le droit d'utiliser ma liberté. Reste à ta place, t'es fatigante. Je suis pas en train de prêcher, je l'ai dit que j'étais pas enseignante. J'ai jamais envoyé Marie de Magdala prêcher comme tu fais maintenant. Une diaconesse, ça existe? Bah bien sûr que ça existe. Ah, tu te prends pour Dieu carrément. Bah oui, Chani Dubois, bah oui, voilà. Voilà un blasphémateur qui se prend pour l'Éternel. On vous dira, il est ici, il est là, ne les croyez pas. Ah, il a jamais envoyé prêcher les Marie-Madeleine. Va dire à tes frères que je les précède en Galilée, verset biblique. Selon la croix, vite, les femmes courent, et le long du chemin, Jésus lui-même... Non, attends, si c'était ça. Les femmes courent le long du chemin, Jésus lui-même vient à leur rencontre et dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen, c'est dans Matthieu 28, 10. Donc si c'était vraiment Jésus-Christ, tu n'anéantirais pas son évangile. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne va pas anéantir ses paroles. Donc, Chani Dubois, on va se passer tes services parce que les blasphémateurs n'ont rien à faire au milieu de nous. Voilà, va continuer ton péché ailleurs. Gitan 83, je peux te rejoindre en live s'il te plaît, j'ai envie de parler à Jessie. non, parce que je suis en train de faire mon temps d'études. Donc si tu veux me parler, Gitan du 83, je vais suivre, puis tu m'écris en message privé. Mais j'ai bien peur que Jessie ne te réponde pas, elle est morte dans l'eau du baptême. Maintenant, c'est avril. De rien, ma sœur Sissi. Amen, de rien. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires, si jamais, voilà. Jojo, tu nous dis, Yeshua revient bientôt. Amen, exactement. Exactement, les amis. Là, il arrive, parce que bah, maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Il faut sortir l'église. Il faut sortir l'église pour pouvoir brûler bah, la terre, me donner ma rédemption. Ah bah oui. Amen, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'après, elle est lavée dans le baptême du Saint-Esprit, dans l'eau. Elle a déjà eu le baptême d'eau, le déluge de Noé, a rempli la terre d'eau. Donc la terre est la femme de l'Éternel, c'est elle qui est mère, c'est elle qui porte les enfants, elle est porteuse de lumière, elle porte les enfants, amen. Mais elle portait aussi de l'ivraie. Donc maintenant que l'ivraie a été retranchée, bah, l'Éternel n'a plus qu'à me passer dans le feu, puis ça sera fini. Il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de personnes mauvaises. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni douleur, ni cri. Il n'y aura plus rien, les amis. Ça sera merveilleux. Donc, célébrez l'Éternel avec bah, le cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Donc, l'Éternel, il ne veut pas t'arrêter, même si tu as une grosse voix, même si tu as l'impression que tu chantes mal. Ce que tu fais, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Si Dieu dit de chanter, chante, l'ami. T'en as rien à foutre d'avoir une grosse voix, de ne pas savoir chanter en rythme. Le Seigneur, il t'a dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes. Chantez les louanges du Seigneur de tout votre cœur. Donc s'il y en a qui te disent, sans ta gueule, t'as pas le droit de chanter, tu chantes trop mal, tais-toi, tu me casses les oreilles. Faut pas les écouter, les amis. Parce qu'ils ont l'esprit du malin. Et quelqu'un qui a l'esprit du malin, cette influence du fait de t'arrêter ne vient pas de Dieu. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien sous le chemin de la foi. Cette influence ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable, elle vient du malin. Les gens qui cherchent à t'arrêter, c'est des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit consolateur. Ils ne veulent pas que tu travailles au service de l'Église. La femme doit se taire, mais il n'y a plus ni homme ni femme. L'Église entière, c'est l'épouse de Dieu, c'est la femme. Donc si la femme doit se taire, toute l'Église doit se taire. Même les hommes n'ont pas le droit d'y parler alors. Et donc, qui c'est qui prêche? Qui c'est qui va prêcher la parole? S'il n'y a personne pour prêcher, qui va prêcher? Le Seigneur, notre Dieu, nous dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Et il a écrit l'évangile. Est-ce qu'il a écrit l'évangile que pour des hommes? Alors du coup, il n'y a que des hommes qui sont sauvés, il n'y a pas de sœurs? Non.
Et dans l'évangile, il y a les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu sont pour toute l'Église. Tous ceux qui se convertissent par la foi et qui obéissent à la parole de Dieu, à l'évangile. Mais en pratique, l'évangile, est-ce que le Seigneur s'adresse qu'à des hommes? Non. Donc c'est complètement stupide de dire aux femmes, ben, vous faites rien, vous restez là, voilà. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Selon Bible.com, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Amen. Un entier souci d'instruire. Voilà ce qu'on doit avoir dans notre cœur. Mais il y a des gens sectaires et religieux qui rétablissent la chair, alors que Jésus-Christ est mort sur la croix à la chair. Il n'y a plus ni homme ni femme parce qu'on est tous morts à la chair dans l'eau du baptême. On est mort à notre ancienne vie. Et en entrant en Christ, cet ange qui s'est donné pour nous, Michaël. Christ est mort à la chair, verset biblique. Selon Bible.com, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Si je vis maintenant, même si je suis dans la chair, ce n'est pas pour la chair que je vis. C'est pour l'Esprit, c'est pour le Fils de Dieu. Et c'est lui qui vit en moi. Si on a connu Jésus selon la chair, on ne le connaît plus ainsi. Et on ne connaît plus personne selon la chair. On ne connaît plus personne selon la chair, verset biblique. Selon Bible.com, 2 Corinthiens 5h16-17, la Sainte Bible par Louis II 1910. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Elle n'a pas dit la dernière phrase. Une créature. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, mais des créatures. Parce que Michaël l'archange, on est à son image, il est une créature, c'est un ange. Amen. Donc, est-ce que je peux dire à une sœur, t'es encore une femme, t'as un sexe de femme, toi t'es un homme, t'as un sexe d'homme? Non. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. On ne connaît plus personne selon la chair. Obéissez à l'évangile plutôt qu'aux hommes qui rétablissent la chair, qui rétablissent une hiérarchie religieuse et sectaire, les amis. Comment on peut comprendre la parole si on n'a pas reçu le Saint-Esprit? C'est quoi le bon dépôt? Alors, le bon dépôt, justement, c'est le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais pas l'entièreté du Saint-Esprit. Tu as reçu, le royaume des cieux est semblable à une graine de sénévé. Il y a un semeur qui sème dans ton cœur, c'est le Seigneur. Il a semé le bon dépôt. Et si tu gardes cette graine dans ton cœur, avec l'eau et la lumière du Christ, du Consolateur qui vit dans ton cœur, parce qu'il est la lumière de vie, il est l'eau, amen, le don de Dieu. Si lui vient, il vit dans ton cœur et qu'il y a cette graine qu'il a plantée, elle va pouvoir que pousser, pousser, et elle va devenir comme un... comme cette petite graine de moutarde qui devient un arbre de vie. Quand Christ, ta vie paraîtra sur la nuée du ciel, si tu as gardé le bon dépôt, cette petite graine, et que tu as gardé l'évangile qui est lumière et eau, donc le Saint-Esprit que tu as en communion avec lui, ben en un clin d'œil, en un instant, cet arbre de vie, cette graine qui s'est déjà développée, qui est du blé, va se transformer en un arbre gigantesque, en arbre de vie. Et là, tu auras la totalité de ta récompense, que la graine, elle va pouvoir arriver à maturité que quand Christ paraîtra. Amen. Donc, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu as déjà reçu, mais il ne faut pas le perdre. Il faut bien rester en communion avec le Seigneur, parce qu'il y en a qui perdent. Il y en a qui perdent, voilà, ils perdent la couronne de leur salut. Tu ne peux pas comprendre les paroles de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le grand écart entre nous et les gens charnels. Les gens charnels ont des doctrines de démons, ils sont charnels, ils font les choses selon leur corps, selon la chair. Nous, ce n'est pas nous qui vivons, ce n'est pas la chair, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui vit en nous. Et c'est Christ qui a compris les Écritures, ce n'est même pas nous. Mais du fait qu'il vive en nous, et qu'on est en communion avec lui, qu'on le suit, ben, on adhère à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit, amen, sans problème quoi. Shalom frère Kader. Comment on peut partager avec d'autres sœurs en Christ si mes amis vont dans des églises évangéliques? Ben voilà. Les mauvaises compagnies ruinent les bonnes mœurs. Si tu as des gens qui vont dans des églises, dans des sectes, il faut que tu t'en sépares. Tu ne peux plus dire que c'est tes amis. Tes amis, c'est ceux qui gardent la parole de Christ. Donc ça, il faut vraiment que tu remettes dans les mains du Seigneur pour qu'il t'éclaire. Quelle relation tu peux encore garder? Quelle relation tu ne dois plus garder?
Il faut renoncer à toi-même. Tu ne peux pas garder toutes tes amies mondaines si elles ne font pas la volonté du Seigneur. Les mauvaises compagnies ruinent les bonnes mœurs. De leur souillure, elles vont te souiller. Tu dois te garder pur, toi. Amen. Donc quoi, J-O, j'ai pas compris ce que tu me dis. Il faut que tu confesses au Seigneur. Seigneur, dis-moi quel ami je peux garder et quel ami je ne dois pas garder. Amen. Et le Seigneur, il va te montrer ce que tu peux garder dans ta vie, ce que tu peux pas garder. Pourtant, elles lisent l'évangile. Ah oui, mais c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui font la volonté de Dieu. Si elles lisent l'évangile et qu'elles mettent en pratique une religion sectaire selon la chair, elles n'appartiennent pas à Christ. Elles n'appartiennent pas à Christ. Pour appartenir à Christ, il ne faut plus vivre selon la chair. Et il ne faut pas lire l'évangile. Il faut le mettre en pratique. Il faut que l'évangile devienne ton mode de vie. Donc il y a une grande, grande différence entre lire l'évangile et avoir l'évangile pour mode de vie. Donc chantez au Seigneur, les amis, un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est sa droite. La parole de l'Éternel est droite, c'est le Christ. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Il aime la justice et la droiture. Il aime la bonté. Voilà, il aime la bonté. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Voilà ceux qui vivent, qui vont vivre et qui vont avoir le salut. C'est des gens qui ressemblent à l'Éternel, qui sont bons, qui ont changé leur vaine manière de vivre, qui font les œuvres de Dieu et qui demeurent dans l'amour. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc les cieux, c'est le royaume des cieux. Il a été fait, les cieux ont été faits même par Dieu. Amen. Comme la terre. Et toute l'armée de l'Éternel, donc les étoiles, les astres, les anges, ont été faits par le souffle de sa bouche. Donc c'est lui qui a donné la vie. Quoi ? Alors, excusez-moi, l'Éternel il dit que quand il a créé Adam et moi dans la matière, il a mis un souffle de vie dans notre matière, terre, terrestre. Mais les anges sont créés des cieux, ils sont créés dans un corps céleste et ils ont reçu aussi un souffle de vie qui leur vient aussi de Dieu, mais ils sont différents de nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus ni homme ni femme, on n'est plus terrien, on va devenir des êtres du royaume des cieux, des êtres célestes. Père, là où je suis, je veux qu'ils y soient aussi. Donc le co-héritage, votre co-héritage n'est pas de ce monde, parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, il est au ciel. Amen. Donc il faut aller sur la nuée du ciel, et c'est le Seigneur qui nous appelle. Le Seigneur, il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Alors là, ça a du sens caché. Les nations sont comme de l'eau, comme la mer Rouge qui a été coupée en deux, bouc et brebis d'un côté. Amen. Ça a été coupé en deux par l'épée de la parole de Dieu, parce que Dieu l'a ordonné, mais c'est pas le bâton de Moïse qui a coupé la mer Rouge en deux. Et là, le Seigneur, il a coupé toute nation en deux. Il y a une Babylone la Grande et une Nouvelle Jérusalem. Donc des boucs et des brebis. Des brebis qui sont à l'image de l'agneau de Dieu, et des boucs qui sont à l'image du Baphomet. Il amoncelle en un tas les eaux, donc il réunit les nations, l'eau qui est bonne, parce qu'on a eu le don de Dieu, l'eau de ses paroles en nous. Donc nous, on est de bonnes eaux par rapport aux autres. Eux, ils sont souillés, nous, on est purs. Et on va être montés au ciel pour être changés en un clin d'œil en un instant. L'eau est changée en vin. Donc l'eau que nous avons reçue des paroles de Dieu nous transformera en un clin d'œil en un instant. En la même image que Dieu, on aura son ADN, on aura des corps semblables à Michael. Amen. Qui est le nouvel Adam, qui est père de tous. Amen. Voilà. Il met dans des réservoirs les abîmes. Donc les abîmes, c'est l'eau sale. Ceux qui n'ont pas reçu l'eau vive de Dieu, eux, ils seront mis dans un abîme. Donc dans la colère de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive,
Il ordonne et elle existe. Amen. Alors, tu veux quel verset, David ? Donne le verset, s'il te plaît. Alors, attends. Là, on est dans le psaume 33. Et si, je ne sais pas si tu veux ce verset-là, mais c'est le verset... c'est le verset 7. Tu lui as parlé des abîmes qu'il enferme. Oui, c'est le verset 7 du psaume 33. J'ai pas écouté, pardon. Alors attends, ben, je répète. Je suis en train de te dire que l'Éternel amoncelle en un tas les eaux de la mer. Donc il réunit les hommes qui ont le don de l'eau de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, l'eau vive, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il nous a donné le bon dépôt, les prémices, l'eau. L'eau, il y en a trois qui rendent témoignage, l'eau, l'esprit et le sang. Donc le Seigneur, il nous a donné tout ça. Amen, c'est en nous, c'est une petite graine de s'élever. En un clin d'œil, en un instant, l'Éternel va nous réunir de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Il va nous monter par les anges au ciel, nous, les élus. Amen. Donc il va réunir l'eau, le tas d'eau qui est propre, qui est pur. Amen. Mais il va mettre dans des réservoirs, il met dans des réservoirs les abîmes. Donc l'eau qui est ténèbre. Parce que tout le monde est fait de l'eau aussi, hein, de la terre. La terre, elle a été tirée des eaux. Et tu es né pendant 9 mois dans l'eau, tu immerges dans l'eau, dans un premier baptême, dans ta naissance charnelle. Hein. Ta mère, elle te porte dans son ventre, dans une boule d'eau, en fait. Et tu es une terre tirée des eaux et ton corps est composé à 70% d'eau. Donc il y a des gens, ils sont bien composés d'eau, ils sont bien d'eau. Ils représentent aussi un abîme, mais un abîme de ténèbres, qui n'est pas pur à cause de leur péché. Et ceux-là seront mis dans un réservoir, dans un abîme, donc dans les profondeurs de la terre et dans la colère de Dieu. Amen. Je t'en prie, amen. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. L'Éternel, notre Dieu, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est Dieu. Au commencement, la parole était en Dieu. Et la parole parle. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Jésus, qui est la lumière du monde, c'est là qu'il existe en étant Michael, archange. Il a un corps céleste, il se fait un corps céleste, un corps de lumière. Amen. Shalom. Bonjour, ma sœur Marie. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Quand l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, parle, qu'il soit dans le Père ou à l'extérieur du Père, sa parole prend effet. Amen. S'il dit, moi il m'a dit ce matin, quand j'ai confessé mon péché et tout ça, il m'a dit, ma fille, j'expie ton iniquité. Amen, j'expie ton iniquité, donc il souffre sur la nuée du ciel pour expier mon iniquité, mon péché. Amen. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, verset biblique. Selon Bible.com, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, on ne connaît plus Christ selon la chair, parce que Christ est remonté au ciel, dans le tabernacle de Dieu. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ... là-haut, il est crucifié, mais il est aussi immolé, égorgé. Donc, il est dans le tabernacle de Dieu. Et à chaque fois que nous péchons, ben, on fait couler le sang de Christ de sa gorge ou de ses mains et il expie nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il souffre encore actuellement à chaque fois que nous péchons. C'est pour ça qu'on ne doit plus pécher, parce que si on l'aime, on ne doit pas prendre plaisir à ce qu'il souffre. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ, c'est écrit. Hein. Amen. Car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Donc on sait hein, que le temps du règne de l'Antéchrist sera écourté, et que l'Antéchrist, il n'amènera pas jusqu'à la fin ce qu'il a décidé, il n'y arrivera pas.
Il espère, il y croit, hein, le gars, mais il n'y arrivera pas. Enfin, le gars, la mouche, la bête. Les desseins, par contre, de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il m'a dit, j'arrive, on va appeler toi et moi les enfants dehors, parce que moi je sors un peu avant vous, on va appeler toi et moi les enfants dehors par leur nom, on va leur donner des noms, parce qu'ils n'ont ils ont pas tous reçu des noms. Amen. Faut qu'on se mette d'accord. Et il a dit, on va se marier comme c'est prévu. Voilà. Il est fidèle, les amis. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Alors attendez, je vais prendre un bout de sopalin. J'ai le nez qui coule. C'est affreux. L'Éternel regarde du haut des cieux, donc il est là-bas, lui, il est dans son royaume. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il mette nos ennemis sous ses pieds. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il mette nos ennemis sous ses pieds. Verset biblique. Selon Bible.com, acte 2h34-38 Bible second 21. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Voici, je viens bientôt, je mettrai Satan sous vos pieds. Verset biblique. Selon la Sainte Bible, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc la femme, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Et toute l'Église marchera sur les serpents et les scorpions parce que notre Seigneur ne parle pas en vain. Mais il faut que notre Dieu de paix, Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit, hein, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Amen. Gloire à l'Éternel, c'est le verset 20. Orlando! Donc heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, dont l'Éternel est le Père. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Héritage qui est dans le royaume des cieux. On est co-héritier de Christ. Donne-moi mon chargeur, s'il te plaît. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Tous. Les fils de l'homme. Hein. Donc le corps église Emmanuel. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Et qui est attentif à toutes leurs actions. Alors on entend souvent dans les sectes évangéliques et autres... dans les sectes, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te localise et vienne. Genre, l'Éternel, c'est comme une antenne satellite, tu vois, il a besoin de te localiser. Alors que le Seigneur, il dit, ouais, infusion de thym et cuillère de miel, t'as raison, c'est ce que je vais refaire là, parce que bah, là aussi j'ai péché, donc du coup, c'est revenu, parce que c'était quand même bien parti. Hein. J'ai éternué un petit peu le matin... mais le nez me piquait carrément plus, j'étais bien, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est revenu à cette nuit. Qu'est-ce que j'ai pas arrêté d'éternuer, j'ai pas arrêté d'avoir le nez qui picote aussi. À chaque fois que je rentrais dans ma chair, c'était insupportable. Ah oui. Merci, White Pearl, merci. Donc l'Éternel nous regarde du haut des cieux, les chéris cocos. Hein. Il voit tous les fils de l'homme, donc toute l'Église Emmanuel. On s'appelle fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. On est fils de l'homme parce que Emmanuel, le fils de Dieu, le fils de l'homme, nous a été donné. On est son corps église. Donc l'Éternel, le Père, regarde Emmanuel, son enfant sur la terre, l'église. Et du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il nous voit. Lui qui forme leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Notre héros, notre roi, c'est Christ, devant qui tout genou fléchira. Et ce n'est pas par une grande armée. Il ne s'impose pas comme un dictateur en faisant des guerres. C'est par son amour. Dieu est amour. Amen. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. C'est le Messie qui donne la délivrance.
le libérateur. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Il va arracher nos âmes à la mort. Ici, on est dans la vallée de larmes, On est dans la vallée, Je suis désolée, charnellement, j'arrive pas parce que je suis morte. Alors, on est mort à la chair, les amis, c'est trop dur. Ici, on est dans la vallée de l'ombre de la mort. On n'est pas dans le royaume des cieux. Ici, il n'y a pas de vie éternelle. Chaque vie passe. Et le Seigneur nous arrache à la mort. Il arrache nos âmes. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Merci, ma sœur Marie. Voilà, c'est ça, la vallée de l'ombre de la mort. Tu savais ce que je voulais dire, mais je n'arrivais pas à le dire. Notre âme espère en l'Éternel. C'est notre âme qui espère être sauvée, avoir le salut. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Donc la joie, quand il nous dit « Soyez dans la joie », je le répète, soyez toujours dans la joie, ce n'est pas la joie mondaine. Ça ne sert à rien d'entretenir ta joie. La joie, c'est celle que Dieu donne aussi. Dieu est une source de dons, de vertus. Il est l'eau qui nous donne. Et chaque fruit de l'esprit, c'est de l'eau en fait. Il nous remplit d'eau. Amen. Chaque fruit de l'esprit, c'est un don de Dieu pour qu'on n'ait plus jamais soif. Amen. Il est source de joie, source de paix, source d'amour, source de bénédicité, de bénédiction, source de patience, source de douceur, source de tempérance. Excusez-moi, oh là là. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Il vient arracher nos âmes à la mort. Notre captivité est terminée. Amen. Et il vient nous faire vivre au milieu de la famine parce que dans le monde, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Ce n'est pas encore la fin, mais la fin sera soudaine. Quand il y aura des famines, et il y en a déjà, là, le Seigneur nous arrachera. Amen. On ne peut pas vivre de nourriture charnelle, les amis, en vide de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si ton âme a mangé, tu n'as plus besoin de faire manger ta chair. Tu n'en as plus besoin. Plein de fois, le Seigneur, quand il mangeait, il partageait avec moi de la nourriture. Amen. Un matin, il avait déjeuné une pomme et du jus de fruits, du jus d'orange, et qui avait une pointe de miel. T'as jamais goûté du jus d'orange comme ça sur la terre, hein? Même le jus d'orange Joker qui est bon, était moins bon que celui de l'Éternel. Il avait mangé, lui le chef, la tête. Moi, son corps, ben, j'avais mangé aussi. Un soir, j'étais en train de faire un temps d'études, il arrive, et il est en train de manger. Je lui dis, c'est quoi que tu manges? De la pizza. Il mangeait de la pizza, et du coup, il a partagé la pizza. C'est comme si j'avais mangé sans mâcher. Et la pizza, j'avais l'odeur, j'avais en moi les choses. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et Jésus est la grâce qui nous suffit. Jésus est notre nourriture, notre Dieu se mange. Notre Dieu se mange dans la chair, son corps, son sang. Nous buvons à la coupe de son sang et nous mangeons à son corps. Dans le Fils, il y a le Père. Donc nous, quand nous mangeons la chair et le sang du Fils de l'homme, nous mangeons le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas chair, il est esprit. Et dans le Père, il y a le Fils, donc nous mangeons aussi l'âme. Mais du fait que nous avons mangé son corps et son sang, nous avons renoncé donc à notre chair et nous vivons selon l'esprit. Et du coup, il continue à nous nourrir avec ses paroles, parce que notre Dieu se mange. Les paroles de notre Dieu se mange totalement. Ses paroles, son corps, son sang, son âme, son esprit, il est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se mange sous bien des façons. Et quand le monde même imposera sa marque de la bête, nous qui refuserons la marque de la bête, si on en arrive jusque-là, normalement, on devrait arriver jusque-là, mais pas au point quand même de plus pouvoir entrer dans un magasin et tout ça. Parce que le Seigneur, il a dit, il vient arracher nos âmes de la mort, de la vallée de l'ombre de la mort, où plus personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête.
et où donc on va connaître la famine charnelle. Mais on ne sera pas dans la famine parce que notre Dieu se mange. On ne connaît plus Jésus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et quand tu as compris que selon l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui se mange, parce que c'est le Saint-Esprit qui s'est fait chair, c'est Dieu, mais que Dieu se mange aussi dans ses paroles. Donc tant que tu as de ses paroles, tant que tu as à manger pour ton âme, tu n'as pas besoin d'aller acheter ou vendre. Prenez et mangez gratuitement, dit le Seigneur. Amen. Venez et mangez sans avoir acheté, verset biblique. Selon Bible.com, Ésaïe 55 sur un Bible JN Darby. Quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du live que j'ai fait il y a quelques jours là, parce que je suis encore perdue, j'ai fait des sorties de corps, à chaque sortie de corps, je ne sais pas combien de temps je reste là-bas, mais... Je perds la notion du temps aussi dans le monde, les amis. Amen. De toute façon, je ne vis pas selon la chair, donc la notion du temps dans le monde, j'en sais rien. Il y a quelques jours, j'ai utilisé ce son que je vais vous faire entendre. Pas reconnu ce générique, voyons, qui n'a pas reconnu? La plupart on l'a reconnu. Bon, peut-être les nouvelles générations. Alors si vous l'avez pas reconnu, c'est une émission qu'on regardait dans le temps, les élus et moi-même, une émission qui s'appelait C'est pas sorcier, et qui racontait des choses intéressantes qui nous édifiaient plus que un professeur à l'école, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est ce genre d'émission qui devrait repasser dans les écoles, hein. Mais bon, l'école est faite pour abrutir. On est comme l'a dit Claire Sévrac, elle a été tuée, hein, cette femme, hein, parce qu'elle disait, elle apportait des belles vérités, hein, amen. Elle a dit, on vit dans un monde où tout ce qui est fait, t'as l'impression que c'est fait pour quelque chose, mais en fait, il y a un versement des valeurs. L'école est faite pour désinstruire au lieu d'instruire. La politique, elle n'est pas faite pour régler les problèmes des gens et pour être de la politique. Elle est faite pour rendre esclaves les gens. C'est une dictature. Les banques, le travail, c'est pas pour aider les gens à avoir un pouvoir d'achat et tout ça. C'est pour les appauvrir. Tout ce qui est fait dans ce monde... n'est pas fait pour votre bien. Elle a vraiment mis les mots justes, les amis. Amen. Et ce qu'elle dit, c'est vrai. Les pharmacies, les médecins, le système médical qui est mis en place, c'est pour vous rendre malade. C'est pas pour vous, pour votre santé. Je vous assure que c'est vrai. C'est pour vous rendre malade, les amis. Pour vous rendre dépendant du système, que vous deveniez dépendant des lobbies pharmaceutiques et tout ça. Les infos, la télévision, la radio, c'est pas pour vous informer, c'est pour faire de la désinformation, vous tenir captive dans du mensonge. Je vous assure, allez écouter cette dame, bon, elle est décédée aujourd'hui, que Dieu ait son âme, hein. Amen. Mais tout ce qu'elle a porté, cette dame Claire Sévrac, amen, c'est la vérité, les amis. Tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle, c'est du mensonge et c'est pas pour votre bien. C'est pour faire exactement le contraire de ce qu'on fait croire qu'on est en train de vous faire. Tu crois qu'ils sont en train de te dire la vérité, mais ils sont en train de te mentir. Tu crois qu'ils sont en train de faire des choses bien pour toi, ils sont en train de faire exactement l'inverse. Tu crois qu'ils sont là pour t'aider dans ta vie, ils sont là pour te tuer et t'opprimer. Ils sont, et Claire Sévrac a résumé ce qu'elle disait par un simple titre. Elle a appelé ça le complot de l'élite contre l'humanité. Ils combattent l'humanité. Donc, j'ai repris « C'est pas sorcier », le générique, parce qu'il y a quelques jours, le Seigneur me faisait vous dire qu'on va aller boire ensemble. Il nous avait conduits dans le désert jusqu'au fleuve Pishon. Il est le Pishon qui ne se tarit pas. Et le don de l'eau qu'il vous donne, ce Saint-Esprit, c'est du Pishon qui est au ciel. C'est l'eau vive,
et il la met en vous. Il la met dans les élus. Vous n'y êtes pas encore allé au Pishon. Mais en ayant l'eau du Pishon en vous, c'est un fleuve qui bondit le Pishon. Il va vous faire bondir. Amen, de votre matière. Et les anges vont vous récupérer sur leurs mains et vont vous monter jusqu'au Pishon, jusqu'en Éden. Amen. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Voilà les amis, j'ai fait le psaume 33. Orlando! Je vais appeler mon gamin, il va me faire de l'eau, j'ai mal au crâne. J'ai tellement pleuré, moi, les amis, j'ai tellement pleuré. Là, j'étais... Je suis fatiguée d'être fatiguée, en fait. On va étudier Ésaïe 40. Alors, il n'y a pas d'évangile aujourd'hui. Hein. On est resté dans la Torah. Le Fils nous fait connaître le Père. Donc, c'est pas surprenant, de, avec le langage de l'évangile, de revenir étudier la Torah. Tu fais des allergies. Alors, depuis plus d'un an, oui. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai une allergie, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai le nez qui coule, ça revient, j'ai des rhumes, je suis encombrée sur la poitrine. J'ai tout essayé, hein, tout, le thym, le miel, le bio, le corizalia, là, ça c'est, tu vois, rhume et rhinite, c'est du, ça a été efficace, hein, c'est du, comment ça s'appelle? Alors, j'avais eu aussi par mon médecin traitant un espèce de... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des médicaments. Ça se donne que sur ordonnance, tu vois. Il m'avait mis sous antibiotiques, Avril. Merci, Seigneur. Voilà, sous des antibiotiques pendant 3 mois. Il m'avait dit qu'il faut renouveler si c'est efficace. Si jamais ça se montre efficace ou que ce n'est pas efficace, on renouvellera. Parce que ce n'est pas montré efficace, ça n'a rien fait. Voilà. Et du coup, j'ai essayé ça, parce que ça, c'est pas de l'antibiotique, c'est de l'homéopathie. Voilà, c'est très différent. Et ça a été un petit peu plus efficace, mais bon, après, le corps s'y habitue vite, et ça a plus d'effet. Et j'ai fait l'onction pour les malades, et c'était pas totalement parti, mais franchement, l'onction pour les malades, c'est ce qui a été le plus efficace jusque-là. J'éternue encore une ou deux fois la journée, mais j'avais plus le nez qui coulait, j'étais pas encombrée comme là, tu peux l'entendre. J'avais plus ces choses-là, en tout cas, là, sur quelques temps, hein. Et vous êtes tous témoins en live, sur quelques temps, voilà. Je l'ai fait deux fois, je l'ai renouvelé l'onction pour les malades, parce que tu peux la renouveler. Je l'ai fait une première fois, ça a été efficace, mais après c'était revenu. J'ai éternué un matin plusieurs fois, j'avais le nez qui coulait, mais j'étais pas encombrée non plus. J'ai refait l'onction des malades et jusque-là, j'allais très bien. J'avais pas replongé. Mais là, du coup, j'ai repêché. Bah, j'ai totalement replongé. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse... Bah, là, pour aujourd'hui, il faudrait à la rigueur que je prenne un comprimé comme ça, parce que là, ils auront de l'effet. Ça fait un moment que je ne les prenais plus. Et ce qu'il faudrait que je refasse, bah, là, c'est l'onction pour malades ce soir, quoi. Amen. Alors, ce que j'ai moi, j'ai bien peur que ce ne soit pas charnel. J'ai bien peur que ce soit une malédiction, en fait. À chaque fois que je retourne dans le péché, je crois que on m'a envoyé des malédictions. Je crois que l'ennemi m'a envoyé des malédictions. J'ai eu ça parce que j'ai contracté le Covid. Je travaillais en hôtellerie-restauration. Là, je travaillais en hôtellerie pour un grand chef étoilé dans le Jura. Et j'ai contracté le Covid et j'ai eu ça il y a plus d'un an et demi. Alors que le vaccin du Covid que j'avais eu, je l'avais eu en 2020, le Seigneur m'avait vraiment retiré les effets du vaccin, j'ai rien contracté derrière. Là, c'est vraiment en allant bosser que j'ai contracté le Covid, et je me suis dit, ça va passer. Et je sais même pas si c'est le Covid, hein, pour être très très honnête, je crois que c'est le Covid, parce que j'ai eu des symptômes comme le Covid. J'ai fait des allergies, j'ai eu les yeux qui ont pleuré, mais bon, après, là où j'allais bosser, il y avait des champs, et puis les cultivateurs semaient dans leurs champs des allergènes et des trucs, voilà. Et j'ai eu une perte d'odorat, donc je me suis dit ça doit être le Covid, parce que bah, le vinaigre avait pris une mauvaise odeur. Le vinaigre avait pris une odeur d'eau de Javel, c'était insupportable. Et je ressentais à des moments des mauvaises odeurs et tout ça, il y avait complètement une perte d'odorat.
Donc j'en ai parlé au docteur et il dit, oui, bah, ça doit être un Covid. Bon, il n'en est pas sûr non plus. Hein, parce que quand je suis allée au docteur, j'y suis allée longtemps après, quand bah, j'avais retrouvé quand même l'odorat. Et puis, juste, j'avais les symptômes de la rhinite qui ne passaient pas. Et j'ai dit, docteur, ça doit être un Covid peut-être. Je pense que c'est un Covid parce que j'ai une perte d'odorat, tout ça. Et quand je regarde, que je cherche les symptômes, là, un peu sur Google, tout ça. Bon, Google n'est pas médecin, hein, mais on me dit que c'est le Covid. Voilà. Et le docteur, bah, il m'a prescrit un machin pendant 3 mois. Il a cherché d'où me venait la fatigue. Il m'a fait faire en laboratoire détecter toutes les maladies et tout ça. Bah, j'ai un problème de sédimentation. J'ai du cholestérol. J'ai 2-3 bricoles qui vont pas. Mais ça m'empêche pas de vivre après, je vais dire. Ça m'empêche pas de vivre. Par contre, ce qu'il n'arrive pas à savoir, c'est que malgré le traitement, les symptômes sont toujours là. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas charnel, c'est spirituel. C'est une forme de malédiction envoyée sur la chair. Mais sur la chair, je suis morte, c'est pas grave. Même s'il y a les choses qui sont là, la chair est morte. Qu'elle souffre un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Par contre, quand j'ai fait l'onction du Saint-Esprit, bah, ça a cessé les effets de la malédiction. Amen. Ça les a cessés, ça les a estompés pour un temps. Et après, j'ai renouvelé, ça me les avait carrément enlevés. Amen. Donc c'est une malédiction et j'en suis sûre. Dis-moi, est-ce que tu crois aux dents spirituelles? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas y croire, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, les dents, D-E-N-T-S. Les dons, D-O-N-S. Les dents. C'est pour ça que je ne savais pas ce que c'était. Les dons spirituels, oui, je sais ce que c'est. Les dons spirituels, bien sûr que j'y crois. Parce que Jésus nous donne des dons. Rien que les fruits du Saint-Esprit, ses vertus sont des dons. Venez à moi, je vous donnerai de l'eau vive. Tous les dons que nous avons reçus, le bon dépôt du Saint-Esprit, tout ça, c'est lui qui nous les donne. Amen. Les dents, ça n'avait pas du tout le même sens. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas croire aux dents spirituelles. Les dons, D-O-N-S. Allez les amis, donc Ésaïe 40, c'est ce qu'on va étudier là. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Donc il faut bien invoquer Dieu avant de lire la parole, avant de prier, avant de louer, avant de manger son corps et son sang, avant de faire quoi que ce soit, les amis. Il faut l'invoquer parce qu'on doit faire les choses par lui et non par nous. Les dents, t'es sûr? Alors, t'as bien écrit le truc. Les dents spirituelles de Corinthiens 12. Oh, attends, mais... Corinthiens chapitre 12. Alors, il y a un Corinthien de Corinthiens. C'est un Corinthien de Corinthiens. Parce que Corinthiens 12, ça ne me dit pas où aller. Je vais chercher dents spirituelles. Et je vais taper ce que tu m'as écrit, Corinthiens 12. Alors là, je serais même étonnée d'entendre dans spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, aspirez aux dons, D-O-N-S, et pas dans, D-E-N-T-S. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs, voilà. Il nous montre encore, même si on aspire aux dons les meilleurs, il nous montre encore une voie par excellence. Hein. Et donc c'est spirituel, les dons spirituels, les dons les meilleurs. C'est spirituel, c'est pas charnel. Oui, dons, D-O-N-S, amen. C'est ça, j'étais étonnée, dons. Je me dis, mais il me l'a bien écrit alors pour le coup. Je connais pas ça dans la Bible. Alors, on y va les amis. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Il nous l'a fait dire il y a quelques jours. Amen, il reprend les paroles qu'il a dites, hein, c'est un rappel. Donc voilà, on ne doit pas... Arrêter le peuple de Dieu, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Si tu arrêtes le peuple de Dieu en lui disant ne prie pas, ne fais pas, la femme ne doit pas faire ci, l'homme ne doit pas faire ça, t'es charnel, donc t'es diabolique. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Verset biblique. Selon Bible.com, Galates 5:7-10 LSG. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle.
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je ne sais pas pourquoi elle oublie toujours une phrase. On doit courir sur le chemin de la foi. On ne doit pas s'arrêter. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, va te dire arrête, tu n'as pas le droit de prêcher. Arrête, chante pas, tu chantes faux. Arrête, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce qu'il vit sous l'influence du malin qui cherche à nous arrêter. L'influence du Saint-Esprit, c'est la consolation. Et c'est quelqu'un qui veut faire grandir l'ivraie, donc qui ne va certainement pas l'arrêter. Qui va le pousser à se développer, à courir. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Tu dois consoler ton frère. Si ton frère a péché, tu dois prier pour lui. Tu dois... Moi-même, hier, j'étais sous l'influence du malin. Parce que j'ai dit aux frères et sœurs, ne priez pas pour moi. Alors que le Seigneur, il a dit, console ton frère. Si tu vois ton frère qui pêche, prie pour lui. Voilà ce qu'on doit faire. On ne doit pas arrêter les frères et sœurs, sinon on est charnel. On doit être spirituel. Tu ne m'as pas dit si tu crois ses dents. Non, non, j'ai pas dit ça. Pas les dents, D-E-N-T-S, les dons, D-O-N-S. Alors j'ai peut-être mal dit les choses, mais j'ai peut-être dit dents au lieu de dons. Et tu as compris dents du coup. Donc si c'est moi qui a fait l'erreur, excuse-moi, mais quand je dis dents, c'est D-O-N-S. Hein. Je ne dis pas les dents, je ne parle pas des dents, les amis. Dieu ne donne pas des dents. Dieu vous donne un corps, certes, au ciel avec des dents, mais il vous donne surtout des dons, D-O-N-S, ici. Consolez, consolez mon peuple. Tu dois être restauré à l'image du Seigneur. Donc tu n'es pas un agneau, une brebis du troupeau. Une fois que tu grandis en Christ, une fois que tu grandis en Christ, tu te mets à consoler les autres. Tu deviens à l'image du Seigneur, de plus en plus à son image. Tu te perfectionnes de plus en plus. Tu grandis de plus en plus. Tu t'approches de Dieu de plus en plus. Jusqu'au chemin où tu peux aller le maximum. Et lui, après, il vient te chercher et t'emmène dans son royaume. Et là, tu es transformé carrément en son image, en un clin d'œil, en un instant. Mais quand tu consoles, consoles le peuple de Dieu, c'est que tu es un consolateur, le nouveau consolateur. Et toute l'Église est le nouveau consolateur. Parce que toute l'Église, le Christ qui est le consolateur, vit en elle. Amen. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a choisi le temps d'étude du jour. Hein. Je ne choisis pas sur EMC TV et sur Café Bible les versets bibliques du jour. Mais le Seigneur m'a fait vous dire qu'il arrive, parce que maintenant qu'il a enlevé les verges folles de moi, l'enfant pour lequel j'ai tant pleuré, maintenant qu'il a enlevé l'enfant de moi, bah, il va me faire sortir dehors pour qu'on se marie. Amen. Comme il a dit, comme il avait prévu. Et on va appeler tous les deux nos enfants, parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie, donc nos élus, et on va leur donner des noms. Amen. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Donc c'est l'éternel Dieu qui parle par le Fils, sa parole. Parlez au cœur de Jérusalem, donc la nouvelle Jérusalem, les élus, et criez-lui, criez-lui. Donc il y en a qui n'aiment pas que tu cries. Il y en a plein qui disaient à Jean le Baptiste qui criait dans le désert. Il était la voix du Seigneur qui criait dans le désert, qui appelait au baptême de la repentance. Il y en a plein qui disaient à Jean le Baptiste de se taire, de ne pas élever la voix. Un homme de Dieu garde le silence, un homme de Dieu, il n'ose pas la voix. Ce n'est pas vrai. Moi, avec une grosse voix, j'aurais pu crier avec Jean et on n'aurait rien fait de mal tous les deux. Hein. Amen. Criez ! Donc, enfant de Dieu, aujourd'hui, tu dois crier à tous autour de toi. Que notre servitude, notre captivité est terminée. Que le Seigneur, il arrive. Notre iniquité est expiée. C'est ce qu'il a fait au ciel. J'ai envie de pleurer parce que je suis l'Église. Il m'a dit, ma fille, ton iniquité est terminée. J'expie ton iniquité. Donc en expiant ma faute, il expie toute la faute de mes enfants aussi. Amen. Jérusalem de pierre charnelle, par contre, elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Une voix crie,
Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Vous avez reconnu cette voix, c'est celle de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il est au ciel, mais il n'est pas dans un nouveau corps. Mais l'Éternel Dieu va le faire crier devant lui, parce que l'Éternel Dieu arrive. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui était, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc Jean va crier, et les élus vont entendre, voici l'époux. Et là, les élus qui vont se réveiller en esprit pour la vie éternelle, et qui ont l'eau du fleuve Pishon, on a traduit Pishon, hein, ça veut dire bondir, vont bondir en dehors de leur corps. Quoi? Ah, alléluia. Alors, vous savez que Dieu a quatre esprits. L'aigle, l'homme, le lion et le veau. Ils ont des faces, les quatre êtres vivants, ils ont des faces comme ça. D'aigle, d'homme, de veau et de lion. Malachie chapitre 3, verset 20. Voilà ce que me demande de prendre l'Éternel. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir d'une étable. Le Pishon, il est au ciel. C'est un fleuve qu'on ne retrouve pas sur la terre. Et les hommes en parlent comme un fleuve étant asséché. On retrouve l'Euphrate et le Tigre, les deux fleuves de la femme. Mais les deux fleuves de l'homme, le Pishon et le Gihon, sont dans l'Éden que l'Éternel a enlevé. Pishon, c'est votre père, et c'est de là qu'il a puisé l'eau vive et qu'il vous a donnée. Le nom du fleuve mythique Pishon, alors ils l'ont écrit en hébreu et en grec, ça veut dire sauter, bondir. Et vous allez bondir en dehors de vos corps, parce que cette eau que le Seigneur vous a donnée de ses paroles, que vous avez bu, que vous avez mangé, a restauré vos âmes. Et vos âmes, elles ont la puissance de s'envoler. Et les anges même vont vous porter sur les mains et vous faire monter jusqu'au fleuve de votre Père là-bas, d'où l'eau vive a été puisée. Amen. C'est ce qu'il me demande de vous dire. C'est ce qui se passe à chaque fois que je sors de mon corps. Je bondis en dehors de mon corps, comme sur un gros trampoline. Amen. Je bondis, les amis, comme si la terre était devenue un gros trampoline, et d'un seul coup, poum, j'ai la puissance de m'envoler jusqu'au ciel. Après, j'ai des ailes d'ange, moi, qui m'a donné aussi. Amen. Mais vous, les anges de Dieu, vous porteront sur les mains. Amen. Donc, vous entendez la voix de Jean, déjà, qui résonne. Voici l'époux. Amen. On sort, les amis. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Donc les vallées et les montagnes, c'est des groupes d'hommes. Eux, ils se sont levés avec orgueil au-dessus de nous. L'Éternel va les abaisser. Jusque sous le talon de nos pieds, me dit l'Éternel. Jusque sous le talon de vos pieds, mes enfants. Ma femme, tu écraseras la tête du serpent. Amen. Mon église, épouse, marchera sur les serpents et les scorpions. Donc les vallées et les montagnes qui se sont enorgueillies au-dessus de nous seront abaissées, humiliées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de l'Éternel, c'est Emmanuel. C'est Michaël, l'archange. C'est Jésus-Christ qui revient dans la gloire de son Père. Il revient étant Dieu. Et tout le monde le verra comme ça. Donc là, les gens, ils vont pleurer, se lamenter à cause de lui parce que y en a qui vont rester dans les ténèbres du dehors. Il y en a qui vont dire, Seigneur, Seigneur, on a prêché en ton nom, on a fait ceci, on a fait cela. Mais c'est Jésus vient chercher des pécheurs, pas des justes, qui ont fait ceci ou cela, qui ont des œuvres et qui pensent pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il vient chercher des pécheurs qui s'humilient devant lui, ceux qui s'humilient seront élevés, jusque dans la gloire des cieux. Amen. Des pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui demandent pardon à Dieu. Amen, et que Dieu va expier leur iniquité. Dieu a expié mon iniquité. Si Dieu a expié mon iniquité, si Dieu m'a pardonné, qui sera contre moi, qui pourra encore m'accuser? Dieu l'a fait parce qu'il est riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère. Il est bon.
Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, Manuel l'enfant. La gloire de Dieu qui a... Il n'a pas accompli les Écritures sur la terre, les amis. Il est les Écritures. Les Écritures qui ne peuvent pas être souillées. Il est saint. Il est la loi vivante. Son corps, son sang, c'est la Torah, le testament qui prend effet à sa mort. Amen. À la mort du testateur, le testament prend effet, la Torah devient l'évangile, elle est accomplie. Mais c'est lui l'accomplissement. Et lui, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Une voix dit « Crie !» Crie ! C'est ce qui a été dit à Jean le Baptiste. Et il répond « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, toute chair. » Alors attendez. Le Saint-Esprit me montre que j'ai loupé. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, Emmanuel avec nous, donc ça signifie Dieu avec nous. Amen. La gloire de l'Éternel, c'est l'enfant de Dieu. La gloire de mon Père. La gloire de mon Père, c'est Emmanuel. Amen. Et au même instant, alors attendez, et au même instant, j'ai tendance à redescendre. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair le verra, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, donc ceux qui n'ont même plus de corps, mais qui sont des âmes, et qui errent dans le monde. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc la parole, le Christ, a dit, j'arrive, ma fille, ton iniquité est expiée. Donc si mon iniquité est expiée, il vient me chercher, il me ramène dans ma maison, mais je ne suis pas toute seule. J'ai dans mon sein les élus, Emmanuel. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vous savez ce que j'ai fait hier, je rigole parce que... Je rigole, mais je vous assure, c'est nerveux, j'ai honte. Je me suis acheté un bouquet de fleurs pour mon anniversaire, parce qu'il m'a ramené des fleurs pour mon anniversaire, et j'ai voulu un petit peu près le même bouquet, mais j'ai pas réussi à avoir le même bouquet. Et j'avais posé mes fleurs dans ma chambre, mais là... vers le temple, là vers le petit espace que j'ai fait pour adorer mon Éternel. Je lui ai dit, je les mets vers toi parce qu'il fait frais, puis elles vont me durer quelques jours. Et les fleurs, symboliquement, c'est nos enfants dans le spirituel. Parce qu'il est l'arbre de vie, il est le tronc, le germe de l'Éternel qui a repoussé, qui porte des branches. Et les enfants, c'est les fruits, c'est les fleurs, c'est les serments, c'est les branches, voilà, de cet arbre. Et à tous les deux, on est l'arbre. Et hier... quand je l'ai rejeté et tout, j'ai pris mon vase de fleurs, j'ai dit, tu me redonnes mes fleurs. Mais en fait, instinctivement, en fait, j'étais en train de demander le divorce. Et j'étais en train de dire, tu me redonnes mes enfants, je reprends mes enfants, je reprends tous mes enfants. C'est mes fleurs, c'est à moi. j'étais en train de vouloir égoïstement les enfants pour moi. Je voulais bien divorcer, mais je prenais mes gosses quand même. Bonjour à tous, est-ce que vous comptez des histoires? Je sais pas. C'est probable. Jésus comptait des paraboles, mais qui avaient du sens, qui édifiaient. C'est probable, ça a l'air d'histoire comme ça au premier abord, jugeant par toi-même. Pourquoi tu me demandes à moi de répondre à une question qui t'est propre? Je peux pas utiliser ton libre arbitre et décider pour toi. Une voix dit « Crie !» Et il répond « Que crierai-je ? Toute chair, toute matière de la terre, vous êtes pris de mon corps, je suis la déesse mère, je suis Ève. » Adam et Ève ont été pris de la terre, mais la terre est la femme de Dieu. Amen. La terre enfante des enfants, elle est mère, elle est comme Dieu. Dieu enfante un fils qui n'est pas fils, qui est père. La terre est mère, elle enfante une fille qui est Ève, mais Ève est mère, elle est la déesse mère, la terre. Et la terre est à l'image de Dieu, mes amis, donc elle ne pourrait pas faire autre chose autrement. Elle enfante d'abord un fils, cette terre, mais duquel sera pris une fille, une déesse, qui représentera la déesse mère, la terre, la déesse Ève. Amen. La terre est mère, elle attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Amen. Toute chair est comme l'herbe, elle a poussé sur terre, elle est partout, sur toute la terre. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Donc vous vivez pour un temps mortel. Vous vivez pour très peu de temps charnellement.
Vous poussez de partout, de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Vous envahissez la terre. Mais vous retournez à la poussière, donc l'éclat de votre beauté, de votre jeunesse ne dure pas. Vous mourrez. L'herbe sèche, la fleur tombe. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors, je sais pas si vous connaissez cette chanson. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Enfin, c'est pas mon ami la rose qui l'a dit. C'est mon ami l'éternel qui me le dit. Que la fleur pousse, mais la fleur tombe. Elle se fane. Toi, le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Je sens que je tombe. Je sens que je tombe. Elle va tomber, Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est devenu la terre. La déesse mère, charnellement. Parce que c'est comme si elle se prostitue avec le diable domine sur elle et elle ne peut que enfanter des enfants de péché. Si vous vivez selon la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle a la tare du péché qu'a votre mère, la terre. Et Dieu va purifier la terre, la brûler, la passer au feu, votre mère. Mais c'est pas pour la tuer. Je suis le buisson qui ne portait pas de fleurs, j'étais stérile. Sur le mont Sinaï, j'étais bien gare. Amen. Je brûlais, mais pas pour être brûlée. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi et il m'a donné l'Esprit. Il y avait l'Esprit du Seigneur sur moi, mais je ne brûlais pas. J'étais le buisson. Amen. On est des arbres devant Dieu. Je ne portais pas de fruits ni de fleurs, mais j'étais déjà sur le mont Sinaï. Mon fils Moïse m'a vu sur le mont Sinaï. C'est là-bas que Ève est morte. C'est là-bas que Ève est morte. Et c'est même pas étonnant qu'au mont Sinaï, où Dieu est descendu, le diable a prétendu que tout commençait de là-bas. Qu'un Shiloh, un paraclet serait donné aux Israélites là-bas et tout ça. L'herbe sèche, la fleur tombe. Elle va tomber, Babylone la Grande. Si je tombe dans la chair, toute chair tombe. Et le Seigneur vient me faire mourir dans la chair, mais vivre dans l'esprit. Donc je meurs avec ceux qui meurent, et je vis avec ceux qui vivent. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, donc le vent de l'Éternel, le vent, c'est la colère de Dieu. Et il va souffler, les amis. Oui. Le vent a déjà soufflé, Avril. La maison de ceux qui étaient bâtis sur le sable va tomber, mais la maison bâtie sur le roc, sur Christ, va pas tomber. Emmanuel est le seul juste qui se tient debout, il est le corps église, la maison de Dieu. Et vous êtes entrés dans la maison de Dieu pour faire les œuvres de Dieu, parler comme Dieu. Donc vous n'allez pas tomber. Mais ceux qui vivaient charnellement vont tomber. Ils vont tous s'endormir. Amen. Quand le vent de l'Éternel va souffler sur eux. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, il y en a qui sont de l'herbe, mais il y en a d'autres qui sont des fleurs. Il y en a, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont du pouvoir, ils ont des richesses. Il y en a qui se sont élevés hein, dans l'orgueil, qui sont comme des fleurs dans cette herbe. Mais que tu sois une fleur ou de l'herbe, tu vas sécher, tu vas tomber. Seule la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc la parole de notre Dieu, c'est le corps église, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Lui ne peut pas tomber. Lui ne peut pas être lié, il est libre. Monte sur une haute montagne, Sion. Merci Seigneur. Il dit, c'est pour ça qu'hier, tu as pu te délier quand l'homme t'a lié. Parce que tu es le corps de Christ. C'est pas parce que tu as ordonné de pouvoir te délier que c'est arrivé. Tu as été délié. Tu n'avais même pas encore le temps de finir tes paroles. Tu n'avais même pas encore pensé à ces paroles que tu as été délié. J'ai pas fait attention, mais j'ai été délié. Je pensais que c'était d'après mes paroles, mais j'étais dans le péché. Comment mes paroles, elles pouvaient avoir de l'efficacité et être puissantes? J'avais péché, les amis. Mes paroles n'ont pas pu me délier. J'ai été délié parce que Dieu, malgré que j'avais péché, Dieu me reconnaissait toujours comme son épouse. Comme sa servante, comme son église. Et l'église ne peut pas être liée.
monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Donc Sion, c'est les amis de l'époux qui font partie de l'église mais qui sont déjà au ciel. Ils vont monter sur la haute montagne de l'Éternel. C'est l'ange avec la première trompette qui va ordonner à l'ange qu'à la seconde trompette d'ouvrir sa bouche et d'annoncer la bonne nouvelle. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Et élève avec force ta voix, Jérusalem. Donc nous, on est Jérusalem en bas. Et nous, on a la voix de l'époux. Et si les amis de l'époux crient une chose, nous, on va crier la même chose. Que notre captivité est finie. Et ça, il faut le dire aujourd'hui, il faut le prêcher aujourd'hui, les amis. Que tu n'es plus ni homme ni femme, tu es la nouvelle Jérusalem, tu es le corps église de Christ. Donc tu publies la bonne nouvelle aujourd'hui à tes frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ arrive sur la nuée du ciel. C'est son message pour l'église aujourd'hui. Jérusalem, publie la bonne nouvelle et lève ta voix toi aussi. Ne crains point et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dis aux villes de Juda, donc dis aux villes qui sont sauvées, dis aussi aux villes qui ne sont pas sauvées, voici notre Dieu, voici votre Dieu. Tout genou fléchira devant lui, que tu sois juste ou injuste. Amen. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, donc dans la gloire du Père, le Fils vient dans la gloire du Père. Et de son bras, sa droite, il commande. Voici le salaire est avec lui. Mamma mia. Remarque, il m'a fait me laver dans son sang glorieux ce matin. Je te raconte même pas sinon. Et les rétributions le précèdent. Donc les anges viennent déjà chercher les élus et percer ce qu'il faudra percer. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Donc les agneaux, c'est les derniers ouvriers qui se seront convertis dans l'eau du baptême, qui n'ont pas encore toute la connaissance, mais ce n'est pas grave. Il les prendra quand même dans ses bras, dans son sein. Et il portera dans son sein, voilà, il conduira les brebis qui allaitent. Moi, je suis une brebis qui allaite. Parce que moi, j'apporte des bouts d'enseignement, amen, à l'église. Donc une brebis qui allaite, ce n'est pas une femme qui a un bébé au sein. C'est un pasteur dans le corps église de Christ. C'est quelqu'un qui a pris soin des autres pour leur apporter de l'enseignement, qui a prêché, qui a enseigné, qui a exhorté, qui a censuré, qui a corrigé. La plupart d'entre nous sommes des brebis qui allaitent. Et c'était le but de devenir brebis. L'église de Christ est une brebis, elle est l'agneau de Dieu. Mais l'église est féminine, elle est brebis. Et elle est une brebis qui allaite parce qu'elle doit exhorter, censurer, corriger, donner le lait de la parole spirituelle. Amen. Quand tu es un agneau, c'est que tu es baptisé, fraîchement baptisé. Donc tu ressembles à Christ, à Emmanuel, l'enfant qui est donné, l'agneau de Dieu. Saint et sans péché, tu es justifié. Mais quand tu grandis, tu deviens une brebis. Une brebis notamment qui allaite. Amen. Voilà, il faut aspirer aux dents les meilleures, excusez-moi. C'est dégoûtant. Ce nez qui coule, c'est dégoûtant. Donc comme un berger, il paîtra son troupeau. Il a son van à la main, il nettoiera son air. Il va nettoyer la terre. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Il les conduira parce que les brebis qui allaitent ne savent pas le chemin. Elles allaitent les petits agneaux du troupeau qui ne sont pas leurs enfants, hein, qui sont leurs frères et sœurs spirituels, du lait de la parole. Amen. Mais elles ne savent pas le chemin pour aller au royaume de Dieu. C'est vraiment le Seigneur qui va conduire, lui le chef, la tête, le berger, tout le troupeau au ciel. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Je dois vous confesser quelque chose, mes frères. Quand je me suis disputée avec l'Éternel et avec Popo, l'Éternel m'a donné de voir mon cœur à ce moment-là. Mon cœur était noir. Je n'ai trouvé pas une seule goutte d'amour pour l'Éternel, mon Dieu. J'avais vraiment repris tout mon amour, balayé cet amour, parce que j'avais un amour conditionné. Je n'ai pas renoncé à mon enfant pour l'Éternel, mon Dieu. Voilà mon péché, hein. Tu dois renoncer à toi-même. C'est ce que dit l'Éternel, hein. Tu ne dois pas aimer celui qui aimera son frère, sa sœur, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Nous sommes l'Église, on aime les frères et sœurs.
parce qu'ils sont l'Éternel, notre Dieu. Mais derrière, je n'avais pas renoncé à ces vierges folles que je pensais l'Éternel, mon Dieu, que je pensais l'Église, que je pensais mes enfants. Je n'ai pas renoncé à ces folles alors qu'elles ne l'étaient pas. Amen. Il était là, mon péché. C'est ça, mon péché. Et mon cœur est devenu noir. Noir. Ténèbres. Parce que je me suis battue contre l'Éternel, mon Dieu. J'ai méprisé l'Éternel, mon Dieu. Je me suis rebellée contre l'Éternel, mon Dieu, pour cet enfant-là. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Il vous a mesuré dans le creux de ses mains. Vous êtes l'eau. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Il a mesuré aussi son royaume. Titi, qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais il vous accorde une rédemption, donc il vous ramasse de la poussière. Amen. Titi, tu lui fous la paix. Tu la laisses. Bouge. Gris. C'est mon chat gris qui se bat avec mon chat noir. Donc, qui a mesuré la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Tu seras mesuré la mesure dont tu as mesuré. Et Christ a mesuré la poussière de son corps. Emmanuel, le temple de Dieu. Donc, les élus. Il les a mesurés comme lui-même a été mesuré par la paume de ses mains. Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? Donc, les montagnes et les collines, c'est des groupes d'hommes. Eux, ils ont été pesés différemment. À la balance, donc au jugement. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Dieu seul peut sonder son esprit. Dieu seul peut connaître la pensée dans son esprit. Personne ne peut connaître sa pensée. À part si dans sa volonté, par le Fils, il nous fait connaître sa volonté, sa pensée. Avec qui l'Éternel a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Personne. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Personne. Lui-même, tout seul. Il est la lumière de Dieu. Il est la lumière, sa propre lumière. Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne, lui seul. Amen, lui seul a de la sagesse. Lui seul est le chemin de l'intelligence, de vérité. Voici les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau. Donc on est des serviteurs inutiles, on le sait. Comme une goutte d'eau d'un seau. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau dans un seau d'eau? Rien. Elles sont comme de la poussière sur une balance, on pèse rien. On pèse pas lourd, hein. Là, s'il faut faire monter l'aiguille, toutes les nations ensemble, on est de la poussière sur la balance. Donc on peut pas, même pas faire bouger l'aiguille, les amis. Voici les îles, sont comme une fine poussière qui s'envole. Donc il y a des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation dans cette eau. La terre est comme un seau d'eau. Et Dieu, il voit dans les nations, il voit les nations déjà comme une goutte d'eau sur toute la terre. Mais dans cette goutte d'eau même, il y a des petites particules d'eau qu'il appelle des îles. Et celles-là, elles s'envolent, elles s'évaporent. Elles vont dans la rédemption. Donc c'est les élus qui sont sauvés de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Des petits groupes d'hommes, des îles. Le Liban ne suffit pas pour le feu, donc on est des arbres devant Dieu. Le Liban est connu pour les grandes forêts qu'il a. D'ailleurs, c'est des forêts du Liban hein, que le roi Salomon lui-même avait commandé du bois pour faire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Mais là, il y a des arbres qui ne portent pas de bons fruits. Et ils sont comme ces grandes forêts du Liban qui sont des arbres droits avec une certaine gloire dans le monde. Mais ils ne suffisent même pas pour le feu de l'Éternel. Parce que la colère de Dieu... C'est l'Éternel qui l'alimente. Parce que quand ils vont brûler dedans, ça n'alimentera pas le feu. Ça ne l'alimentera pas au siècle des siècles, en tout cas. Mais la colère de l'Éternel est un feu qui brûle au siècle des siècles. Et ils vont brûler dedans, au siècle des siècles. Pas pour alimenter ce feu, hein, je vous le dis bien. Mais pour y être puni. Et les animaux, donc les bêtes, ceux qui ressemblent au Baphomet, ne suffisent pas pour l'Holocauste. L'Éternel va brûler les arbres dans le monde qui ne portent pas de bons fruits. Et ces arbres sont comme des bêtes, parce qu'ils ont l'esprit de la bête. Ils ont la bête aussi en eux, c'est des antéchrists.
Ça ne suffira pas pour mettre sur l'autel de l'Éternel, faire un holocauste, pour calmer la colère de Dieu. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, donc on est une vanité, on est des serviteurs inutiles. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. J'ai enfanté le néant et la vanité, hein. Mais je les aime quand même, parce que c'est l'Éternel qui me les a donné d'enfanter. Et j'aime ce que l'Éternel m'a donné. À qui voulez-vous comparer Dieu? Dieu est-il catholique? Dieu est-il témoin de Jéhovah, mormon? Vous voulez comparer Dieu à des sectes, à des religions, à des choses d'hommes? Vous voulez comparer Dieu à des statues, à des pierres, à des croix, à des objets, à des symboles? Quelle image? Et à quelle image ferez-vous son égal? Dieu l'a fait plein d'images à son image. Il a fait la terre à son image. Il a fait le soleil à son image. Le soleil semblable à un époux. Les anges au ciel avec les yeux, les ailes, plusieurs yeux, plusieurs ailes sont à l'image de Dieu. Les hommes sont à l'image de Dieu. Les animaux sont à l'image de Dieu. Les arbres sont à l'image de Dieu. Dieu est un arbre de vie. Dieu est la colombe. Dieu est le poisson, l'ichthus. Dieu est le lion de la tribu de Juda. Dieu est l'église, le temple. Donc Dieu, il est capable de se faire ses images. Il n'y a pas besoin des hommes pour lui faire des temples, lui donner des animaux et lui faire des images. C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et qui sont des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas, dit le Seigneur, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? La terre est posée sur rien, sur le néant. C'est le Seigneur qui l'a fait reposer sur rien. Si je prends ce pot de café là, et j'essaye de le faire reposer sur rien, il va tomber. Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. J'ai envie d'éternuer. Grincheux sort de ce corps. Et Hachoum aussi. J'en ai marre. Si je te dis, je te mets du sel dans les yeux, tu vas dire, elle est complètement dingue. Me mettre du sel dans les yeux, elle va me brûler les yeux. À l'Éternel, tout est possible. Dieu a mis du sel dans tes yeux. Dans tes larmes. Tes larmes sont salées. On a un Dieu de tous les possibles, les amis. La terre repose sur rien. Elle est dans le vide. Mais elle ne tombe pas. Donc, l'Éternel est assis au-dessus du cercle de sa terre. Il a tracé un cercle avec son doigt pour créer la terre. Alors, elle est ronde, elle est plate. Elle est globe et elle est plate. Comment c'est possible qu'elle soit les deux en même temps ? Arrêtez de vous battre, vous avez raison l'un et l'autre. La terre est ronde, comme un ballon, mais elle n'a pas la forme véritable d'un ballon, parce qu'un ballon il est quand même parfait dans sa forme. Dieu l'a tracé avec son doigt et rapidement. Donc elle a un petit peu des défauts. C'est un globe avec des défauts. Elle ressemble même un peu à un œuf, m'a dit l'Éternel. Mais elle n'a pas totalement la forme d'un œuf, mais elle a une petite bosse, elle a un peu bossue. Ah ! Après... La terre est un ventre de femme enceinte. Amen. On n'est pas sur le globe de la terre comme certains nous font croire. On est dans le globe de la terre. Mais la terre, il y a une terre plate dans ce globe. Amen. Et on est sur le globe là. Donc on est enfermé dans un dôme qui nous fait croire qu'on est au-dessus hein, du globe. Un dôme qui est invisible à nos yeux. Mais c'est quand même le dôme du globe de la Terre. Amen. Qui nous donne accès à un regard sur l'univers, sur les étoiles, sur la lune, le soleil qui traversent leur trajectoire au-dessus de nous. Donc on a l'impression d'être au-dessus du globe. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se tuent avec toi pour te dire on est au-dessus du globe. On ne peut pas être dedans. Ce qu'ils ne comprennent pas que le globe, en fait, ce n'est pas fermé par une croûte terrestre. C'est fermé par un globe, un dôme invisible. Notre terre, elle est un peu comme un sablier.
Quand les eaux du déluge des cieux, des écluses des cieux sont tombées sur la première partie, donc sur la terre plate, et le dôme transparent, l'eau, elle a monté jusqu'au sommet des montagnes. Donc c'est que l'eau, elle était bien enfermée dans le dôme transparent, qui est invisible à nos yeux. Et qu'on ne peut pas sortir, même avec des fusées, tout ça, on ne peut pas. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il faut quitter la chair, abandonner la chair et sortir en esprit. Parce que seules les âmes peuvent traverser le dôme. Le diable est tombé sur la terre, il était un astre, il était une étoile. Il est tombé à travers le dôme. Il est venu ici. Amen. Et quand les écluses, quand l'écluse des cieux, elle a tout vidé l'eau, dans les montagnes, l'arche de Noé, elle est montée au-dessus des montagnes. Hein. Donc elle est montée à des altitudes où même on ne peut pas respirer. Et donc il y en a qui disent, l'arche de Noé, c'est un vaisseau spatial, parce que Noé et les animaux n'auraient pas pu respirer à une certaine altitude. Sachant que la plus grande montagne sur cette terre que nous connaissons actuellement, alors je vais la reprendre, plus grand sommet de montagne qu'il y a sur la Terre, verset E. Merci. Oh là là. Voici des informations provenant de la source Wikipédia. L'Everest en Asie, il fait 8 849 mètres d'altitude. Il y en a qui sont montés au sommet de l'Everest, mais il faut avoir des très très bons poumons. Hein. Et puis, si tu montes, tu peux mourir, hein. Il y en a qui sont morts. Voilà, il y en a un qui est monté, mais il n'y est pas resté longtemps parce que tu ne peux plus respirer. L'altitude, mes chéris cocos, attendez. Vautours qui volent le plus haut dans le ciel. Selon le Figaro, le vautour de Ruppel, son altitude de vol la plus haute a été recensée à 11 300 mètres. En novembre 1973, un de ces oiseaux est entré en collision avec un avion de ligne au-dessus de la ville d'Abidjan. Donc dans les avions de ligne, on monte à des altitudes plus hautes que le vautour Ruppelt, plus hautes que l'Everest. Mais dans les avions de ligne, il y a, dans cet avion, il est tout compressé, avec du fer vraiment comprimé, hein. Amen. T'es comme dans un tube, il y a des hublots, il y a de l'air, hein. L'appareil, il a de l'air où tu peux respirer. Voilà. Il y a des effets du manque d'air sur ton corps, même si l'avion te fournit de l'air. Quand tu prends l'avion, souvent, tu as les jambes qui tremblent après ton arrivée en avion ou dans l'avion même. Ton corps peut se mettre à trembler. Parce que ton corps, il reçoit de l'air que l'avion te donne, transmet, pour pas que tu meures. Mais c'est pas la même que sur Terre. Donc il y a un changement d'air forcément en avion. Et ça a des effets sur ton corps tremble, parce que ton corps n'est pas fait pour quitter une certaine altitude. Ton corps n'est pas fait pour plonger à une certaine altitude sous l'eau. Ton corps, il se comprime et il éclate. Et c'est ce qui peut se passer si tu continues à monter. Donc ils ne sont jamais montés là-haut avec un scaphandre et une fusée et machin. Ça éclate. Elon Musk vous a montré qu'il y avait un dôme, il a envoyé la dernière fusée qui a été envoyée, elle a été envoyée par Elon Musk. Elle est montée, elle a suivi la trajectoire du globe, et elle a fini par exploser, à une certaine altitude. Donc ça veut dire que même avec les avions, ils savent qu'on peut monter à une certaine altitude et qu'il ne faut pas aller plus haut, sinon tu meurs. Et c'est ce qui explique que certains avions ont disparu, tout simplement, ou ont explosé dans la mer et tout ça, parce que certains, l'appareil tombe, il a une panne par exemple, tu sais plus à quelle altitude tu es, le pilote va vouloir voler ou mettre le pilote électronique à côté, mais ils vont se tromper d'altitude, ils vont faire exploser l'appareil. Le vautour Ruppelt, c'est pas l'aigle, l'aigle il est majestueux, il vole à une certaine altitude, mais il vole moins haut que le vautour Ruppelt. Le vautour Ruppelt, c'était cette espèce de condor qui nous dessinait dans les dessins animés Lucky Luke. C'est celui qui attend pour manger les cadavres. Il vole à 11 300 mètres. Donc lui, l'Everest, il y a longtemps qu'il est sous ses petites papates, sous ses griffes. Il s'en fout de l'Everest. Il est majestueux. Amen. Il est rentré, un jour, il est rentré en novembre 1973, un de ses oiseaux est entré en collision avec un avion de ligne, mes chéris cocos. Donc son altitude même avait dépassé les 11 300 mètres, parce qu'un avion de ligne vole encore bien plus haut que ça. Amen. Un avion de ligne peut voler jusqu'à un certain niveau sous le dôme.
mais il ne peut pas toucher le dôme. S'il s'approche du dôme, il explose. Parce que notre dôme, même qui est invisible, c'est des gaz. Ça s'appelle l'effet de serre. On vous en a parlé. On vous dit qu'il est tout autour de la Terre, ce qui est fort probable. Ce qui est fort probable. Notre Terre qu'on peut creuser, c'est la Terre plate. Et l'eau du déluge, elle est restée 40 jours sur la partie du dôme, comme un sablier. Mais après, le Seigneur, ben, il a fait qu'elle s'enfonce dans la Terre plate en dessous. On ne manque pas d'eau, les amis. On ne manque pas d'eau et en dessous, les hommes nous le disent eux-mêmes. Hein. Il y a des océans sous terre que l'homme n'a pas découvert et n'a pas pu explorer. Pourquoi connaissons-nous moins le fond des océans que l'espace? Les fonds marins, 75% des zones très profondes restent inexplorées. Et c'est sous terre, principalement. Et c'est cette eau qui est descendue des écluses, parce qu'elle n'est pas retournée dans le ciel, cette eau. Cette eau, notre terre, comme une éponge, pendant 40 jours, Noé a attendu que l'eau descende. Amen. Et l'arche de Noé, parce que Dieu avait tout pourvu. Hein. Si ton corps qui est monté en altitude redescend trop vite, il peut exploser. Donc Dieu va faire descendre l'arche de Noé sur le mont Ararat, qui s'élève à combien de mètres d'altitude d'ailleurs? Mont Ararat. En arabe, kase de. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il me parle arabe. Il n'a pas compris, j'ai dit mont Ararat, il me parle arabe. Le mont Ararat, à combien d'altitude il se lève en Turquie? En douille. À 5137 mètres. Donc ça veut dire que Dieu, il avait élevé Noé à une altitude plus haute que ça, hein, ça c'est sûr et certain. Mais il n'a pas tout de suite baissé sur terre à fond, il l'a laissé sur le mont Ararat. Il les a laissés quelques jours en attendant encore que l'eau descende. Et quand l'eau a complètement descendu, Dieu a dit à Noé, enlève le toit de l'arche, fais sortir les oiseaux, et après ouvre la porte de l'arche. Enfin, c'est même Dieu qui a ouvert la porte de l'arche, parce que c'est Dieu qui l'avait fermée. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et fait descendre les animaux. Et les animaux ont dû descendre le mont Ararat, 5137 mètres d'altitude, avant de pouvoir regagner la terre plate. Le Seigneur a fait ça pour pouvoir faire le moment de décompression pour toute créature, sinon il serait mort. Un changement d'air trop brusque te tue. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, donc son royaume est au-dessus du cercle de la terre, c'est là-bas qu'il t'attend. C'est là-bas qu'il faut que tu entres pour avoir la vie éternelle. Il nous voit tous. Il nous voit comme des sauterelles. Alors on est de l'herbe, mais on est aussi des sauterelles à son image, comme des bêtes. Il y a des sauterelles avec des cheveux de femme. Oui, il nous voit comme des sauterelles, parce qu'on saute aussi en dehors de ce monde. On va sauter comme le pichon. Amen. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Amen. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Comme la tente Quechua que tu jettes au camping qui se monte toute seule. Voilà les cieux pour l'éternel. Une tente de camping. C'est lui qui réduit les princes au néant. Donc le prince de ce monde sera jeté dehors. Et c'est lui aussi qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Donc ils ne peuvent pas être mes enfants. Même s'ils sont charnels. La cognée mise à la racine des arbres qui ne portent pas de bons fruits, à la racine. Donc un arbre, ils sont déplantés même, ils ne peuvent pas être mes enfants, ils ne peuvent pas être gardés. Dieu ne les a pas semés ceux-là, Dieu ne les a pas cultivés ceux-là. Ils ne peuvent pas être gardés dans ce monde, ils doivent être jetés dehors. Leur tronc même n'a pas de racines en terre parce que les racines c'est Dieu. Amen. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme du chaume. Bianca, fais-moi boire. Bianca, va lui dire d'aller. Je veux de l'eau et du sirop. J'ai mal à la tête en plus. J'ai appelé ton frère tout à l'heure, il ne m'en a pas donné. Alors le Seigneur, il souffle. La colère de Dieu demeure sur ceux qui ne portent pas de bons fruits.
Ils vont se dessécher. Un tourbillon les emporte comme le chaume. Le chaume, c'est cette paille qui, lors des jours d'été, quand il fait très chaud, la terre, elle se crevasse. Et tu as de la paille qui arrive quand même à pousser dans la terre crevassée. Et le chaume, c'est cette paille qui brûle très, très vite. Et le tourbillon qui les emporte, c'est l'Éternel. C'est la colère de Dieu. « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le saint. « Levez vos yeux en haut et regardez. » Parce que lui, il est en haut. Il est le saint. Hein. Le salut vient des Juifs, le saint d'Israël. C'est Dieu qui s'est fait chair, c'est le Messie. Amen. Voilà, Jésus est le saint des saints parce qu'il est le saint, le fils. Mais dans le fils, il y a le Père, le saint des saints. Il est l'église. Il est le temple de Dieu dans lequel il y a le saint des saints. Et nous sommes juste des instruments dans ce temple. Donc on doit être des instruments saints. Non, j'en veux pas au coca. Il n'y en a plus à l'orangina? Ben, en fait, non, mais laisse, c'est pas grave, je vais boire de l'eau. « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. » Donc le soleil, la lune, les étoiles, le dôme, c'est le Seigneur. « Qui fait marcher en ordre leur armée ?» Donc l'Éternel fait marcher en ordre les étoiles. Amen. Les étoiles dans le ciel ne sont pas dirigées par les hommes. Je l'ai enfin trouvé. Il était... Ouais, j'en prendrai après. C'est bon, merci. D'accord. Les hommes pensent pouvoir diriger la terre, mais la terre elle-même, qui la dirige sur son socle, qui la maintient comme ça, c'est l'Éternel. Alors, là, le Seigneur, il veut que vous entendez bien ce qu'il vous a dit aujourd'hui, il arrive. Il va me faire sortir et on va vous appeler dehors par vos noms, pour les noces de l'agneau. Amen. Donc, levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses, qui a créé les anges, l'armée de l'Éternel. Et vous, en devenant les anges de l'Éternel, vous, fils et filles de Dieu, par la nouvelle naissance, l'évangile, amen, vous devez sortir, parce que vous êtes des anges de Dieu, amen. Il les appelle toutes par leur nom, amen, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut, pas une seule brebis va manquer, pas une seule étoile, pas un seul ange va manquer au royaume de Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Tu dis ça parce que t'es le corps église de Christ, donc t'es le Jacob spirituel, la nouvelle Jérusalem, les 12 tribus spirituelles, de juifs spirituels, amen. Et comme tu souffres sur la terre, tu pries, tu fais le bien, mais tu souffres, le monde te fait du mal, donc tu dis, moi, le Seigneur, il voit pas en fait, je le sers, c'est une vanité de le servir, je fais le bien, mais je reçois toujours du mal. Pourquoi dis-tu ça? Le Seigneur, il n'a pas oublié de te donner ta récompense. Le Seigneur, il va t'appeler dehors, et c'est dehors qu'elle est ta récompense. C'est la vie éternelle. Dans son royaume, tu es co-héritier. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Nouvelle Jérusalem, Église? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mon Dieu m'avait dit que j'avais un co-héritage, mais je ne fais que souffrir pour lui. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Il a créé les extrémités de la terre. Donc la terre a des extrémités. Bon, si tu vas jusqu'au bout, tu ne vas pas tomber. Hein. T'es enfermé sous un dôme. Si tu marches jusqu'au bout de la terre plate, t'es enfermé sous un dôme. Mais qui peut y aller jusqu'au bout? Qui a traversé les blocs de glace? Qui a traversé les forêts? Qui a traversé tout ce qui nous sépare de ces extrémités? Personne. Comment il s'appelle le film Éternel? C'est le film avec Jim Carrey? Truman Show. Vous avez déjà vu le Truman Show? Il essaie de sortir justement, de prendre un bateau, de suivre l'océan, mais c'est un tableau avec le ciel dessiné. On est enfermé dans une matrice, les amis, il faut le savoir. Amen. Vous êtes enfermé dans la déesse mère, dans le ventre de la déesse mère, la terre. Elle n'est même qu'un ventre, elle est une boule. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il nous fait connaître
sa sagesse, une partie de sa sagesse, mais pas tout. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Venez à moi fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Donc il va nous donner de la force. Merci, oui, c'est le Truman Show, c'est ce que je cherchais. Amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Parce que t'as beau être jeune et beau, toute herbe, toute chair est comme de l'herbe, elle tombe. Un jeune homme, c'est une fleur. Il a l'éclat de sa jeunesse. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Je donnerai à la femme, à l'église, des ailes d'aigle. Donc les ailes des anges qui vont venir la chercher. Mais moi, j'ai les ailes de mon mari parce que je suis l'épouse. Et mon mari, c'est l'aigle. Amen. L'aigle qui voltige sur sa couvée, qui les protège. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Donc on est rendu à l'image de Dieu par l'Esprit de Dieu qui a la face d'aigle. Amen. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire à l'Éternel. Amen. Shalom, JR 500. Voilà, donc j'ai fini le temps d'étude, les amis. Donc ça y est. Le départ va arriver. Amen. Quoi ? On va écouter le psaume 121. Ah, il veut que je le mette en chanson. Ok, je le mets en chanson. Mais ça, c'est qu'une partie éternelle, c'est pas tout ce que je l'ai mélangé. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Je lève les yeux sur les montagnes. Je le prends quand même, c'est pas grave. Et puis après, voilà, on pourra l'écouter. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il veut que je mette cette musique-là. Donc je vais mettre cette musique-là. Alors attends, parce que c'est quoi? C'est une montagne. C'est une montagne, le dessin. Voilà, le chant de réconfort. Amen. Voilà, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, donc il nous donne le repos. Si nous ne craignons rien, quand la terre est...
Donc c'est le psaume 123 et c'est le psaume 121. On va prendre le psaume 121. Donc l'Éternel, le psaume 123. Psaume 23, alors pas 123, je ne sais pas pourquoi je dis 123, j'ai dit 123. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, on le suit et il nous donnera du repos. Mais il y a le psaume 121 qui dit, c'est un cantique des degrés, donc il faut monter l'altitude. Je lève mes yeux vers les montagnes, donc vers les groupes d'hommes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, personne ne peut être mon sauveur. C'est l'Éternel mon secours, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Bah, attention, il y aura une extinction du soleil et de la lune. L'Éternel te gardera de tout mal, donc de tout danger, de la mort, des maladies, des hommes, des démons, de tout. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc il y a un départ d'ici, du monde, pour aller au ciel. Amen. Il gardera ton départ et ton arrivée, parce qu'après il y aura un départ du ciel pour revenir ici sur la terre, quand elle sera purifiée. Amen. Donc le salut, il n'est pas pour dans ce monde, les amis, il est auprès de l'Éternel. Voilà. Tu l'avais mis dans ta playlist, celle-là. Ouais, c'est celle que j'ai fait avec Lia. Ouais, tu l'avais aimé, cette musique. Tu m'avais demandé le lien sous une vidéo, je m'en souviens. Voilà. C'est le chant de réconfort. Le chant de réconfort que j'ai repris dans mon livre, La Bible en 365 histoires. Les amis, il va être 15h. Moi, je vous laisse. Tiens, bah, justement, je vais aller faire des enregistrements. Parce que j'ai pas fini. Et puis, je vous laisse. Le message d'aujourd'hui, c'est qu'il arrive nous chercher. Amen. Je vous embrasse dans la paix du Seigneur. Merci d'avoir suivi ce live. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Et rendons grâce à Jésus pour ce live. Amen. N'oubliez pas, vous n'êtes pas sauvés si vous n'invoquez pas Dieu. Il faut crier à Dieu, Abba Père. Amen. Bonne journée, les amis. On fait la prière de 14h. Eh bien, vous pouvez aller dans vos chambres, rendre grâce à Dieu pour ce live et faire la prière de 14h que vous n'avez pas fait, les amis. Oui, voilà. Allez, bisous. Shalom.